Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous. En espérant que tout le monde va bien. Donc, partagez la connexion pour ce temps de partage. Et voilà, le titre de ce partage, c'est quoi craindre le Seigneur? Et donc, partagez le lien. On attend quelques secondes. Invitez vos frères et sœurs, les frères et sœurs, vos familles, ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui cherchent à connaître le Créateur, pour simplement être édifiés. Et Père, je te bénis, Papa, pour ce temps de partage. Elohim, notre Seigneur, grand roi, le Créateur de l'univers, sois béni, sois glorifié. Père, sois béni, Seigneur. Père, on veut t'adorer, Papa. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Papa, qui nous parle. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce vent, Papa, que tu es en train de souffler sur nos vies. Père, je te prie de nous garder, Papa, dans la sainteté. Père, dans la puissance de ton nom, Seigneur, au nom de Yeshua, Papa. Seigneur, on vient briser, Papa, Père de gloire. Seigneur, le mal, Papa, qui est fait contre nos vies, Seigneur, contre nos familles, contre les vies. Nous réclamons les âmes, Papa, pour ton royaume, pour ton salut, Seigneur. Père de gloire, pour ton éternité au paradis, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois adoré, Papa. Que seul ton nom soit adoré, que seul ton nom soit béni, Papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, on bénit, Papa, pour ce moment. Donc, on va encore partager la parole tant que le Seigneur nous donne le souffle de vie. Parler de lui, voilà, témoigner de lui. Et voilà. Et c'est vrai que il y a un mal qui est en train de, il y a un mal que nous voyons dans les nations, c'est que beaucoup ne craignent pas le Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent prêcher la parole du Seigneur, mais n'ont pas cette crainte véritable, cette révérence, cet amour pour pour Jésus. Voyez. Et on entend beaucoup parler d'église, de religion, de prédicateurs, tout ça, mais en vérité, très peu craignent le nom du Seigneur, très peu adorent le Créateur de l'univers. Et à travers ce partage, voilà, on veut simplement partager sa parole, partager en fait que lui seul peut nous sauver, lui seul guérit, lui seul délivre. Et donc voilà, en espérant que le Seigneur puisse délivrer des cœurs, délivrer des hommes et des femmes qui souffrent au nom de Yeshua de Nazareth. Voilà, on va prendre un passage, on va attendre quelques secondes. Encore, en attendant que d'autres se connectent. Voilà, on va attendre un petit peu. Faites partager le lien afin que des frères et sœurs puissent se connecter. On va attendre avant de commencer. Avant de commencer, on va attendre encore un petit peu. Donc voilà. La crainte, c'est quoi craindre le Seigneur? C'est quoi craindre le Seigneur? C'est quoi craindre le Seigneur? Et on va commencer déjà par un passage dans Job 28, verset 28. Puis dit à l'être humain, la crainte d'Adonai, voilà la sagesse, se détourner du mal. C'est là le discernement. Voyez, la crainte d'Adonai, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, c'est se détourner du mal. Quelqu'un qui se dit craindre le Seigneur, quelqu'un qui se dit croire au Seigneur et qui ne se détourne pas du mal, eh bien, c'est un menteur. C'est un menteur. Il ne craint pas le Seigneur. Voyez? Et on voit par là que la crainte du Seigneur, c'est se détourner du mal. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est de nous détourner du mal. Nous détourner du péché. Et beaucoup de soi-disant chrétiens, eh bien, vivent dans la compromission, vivent dans la légèreté. Vivre dans la compromission. Et c'est ça aussi craindre le Seigneur. C'est se détourner du mal. Voyez? Se détourner du mal, c'est ça la crainte du Seigneur. Quelqu'un qui ne se détourne pas du péché, eh bien, il ne craint pas le Seigneur. Trop de prédicateurs, trop de chrétiens, eh bien, sont dans le péché, mes amis. Ne craignent pas la parole du Seigneur. Ne craignent pas l'évangile. Ne craignent pas Jésus. Il l'honore de la bouche, mais pas du cœur. Le cœur est rempli de péché, rempli de compromission. C'est terrible, c'est grave. C'est grave. Voyez? Et on vit dans un système chrétien aujourd'hui où on parle aussi beaucoup d'amour. Il faut l'amour, l'amour, l'amour comprend tout, l'amour. Mais de quel amour qu'on parle, mes frères et sœurs? Quel amour qu'on parle? La crainte du Seigneur, ce n'est pas d'accepter le mal. La crainte du Seigneur, ce n'est pas d'accepter, ben, de marcher avec des hommes et des femmes qui vivent
dans le péché, qui sont chrétiens et qui vivent dans le péché. Non, c'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. Voyez. Aujourd'hui, quand tu dénonces le péché, quand tu dénonces un frère ou une sœur qui vit dans le péché, on va dire, oh, tu manques d'amour. Oh, 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 tu manques d'amour. Comme je disais dans certains partages que j'ai partagé ce matin, sur mes statuts de WhatsApp, voilà. Combien aujourd'hui vivent dans un évangile léger, un évangile qui a été humanisé, qui a été mis de manière charnelle, afin que de vivre en dans la compromission. Voilà, on vit dans la compromission, dans la légèreté. Je sais que tu te masturbes, je veux pas te le dire. Je dis il faut que j'ai l'amour pour toi, je te le dis pas trop. Et toi en revanche, je dis moi je trompe ma femme, on se dénonce pas mutuellement. D'accord, je le sais. D'accord, faut l'amour. Vous irez en enfer comme ça, mes amis. Vous irez en enfer dans la compromission. Tu sais que lui là-bas, ton frère, ta sœur, vit dans le vol. Tu sais qu'il vole, hein. Mais toi, comme toi, tu vis dans les magouilles aussi, tu vas pas trop lui dire, tu vas comprendre. Et quand d'autres chrétiens vont se lever pour dénoncer ses œuvres, crier, dénoncer le mal, on va dire, ah, il manque d'amour. Ah, il manque de sagesse. Ah, il manque d'amour. Mon ami, allez demander au Seigneur Jésus. Demandez à Jésus pourquoi il est mort sur la croix. Demandez à Jésus pourquoi il est mort sur la croix. Pour quelle raison a-t-il versé son sang sur la croix? Pourquoi? Il va vous répondre. Parce que comme la Bible est devenue aujourd'hui un livre humanisé par beaucoup de chrétiens, demandez directement au Seigneur. Je crois qu'il peut vous répondre aussi. Parce que beaucoup sont devenus incrédules. Ils sont incrédules. Ils ne craignent pas la parole du Seigneur. Ils ne craignent pas Jésus. Ce sont des chrétiens de nom. Ce sont des chrétiens religieux. Des chrétiens du bâtiment, du dimanche. Voyez, du dimanche. Voyez, mais la parole n'est pas en eux. Ils n'ont pas connu la parole. Ils n'ont pas connu cette parole pure. Cette parole qui nous délivre. Cette parole sainte, mes amis. L'évangile de Jésus. C'est terrible. Oh, c'est terrible. La crainte d'Adonai, voilà la sagesse. Se détourner du mal. Voyez. On veut te faire boire le péché. On veut te faire boire le mélange. Boire la compromission. Mes amis, c'est comme si aujourd'hui tu veux marcher avec des cobras. Tu marches avec des cobras, des serpents, des poules, je sais pas moi, des requins, des crocodiles. C'est comme si aujourd'hui on veut te faire accepter de dormir avec des chauves-souris. Dors avec des chauves-souris, c'est pas grave. Il faut l'amour des chauves-souris parce que il faut l'amour. Mais la chauve-souris va sucer son... Il va prendre ton sang. Il va sucer ton sang, mon ami, la chauve-souris, là. C'est un vampire. C'est l'image, hein. Bon, faut pas dire que les chauves-souris, c'est des vampires. C'est une image que je prends. Parce qu'on connaît beaucoup. Vous voyez? C'est comme si aujourd'hui, tu veux dormir avec des chauves-souris. On ne peut pas se mélanger avec les pécheurs. Qu'on a la crainte du Seigneur. Quelqu'un qui se dit chrétien. Quelqu'un qui se dit... pasteur, prophète, chrétien, et que tu sais qu'il vit dans le péché, et que tu acceptes cela, mon ami, tu vas en enfer comme ça. Tu iras en enfer, tu continues comme ça. L'enfant du Seigneur ne se mélange pas avec le péché. Il ne se mélange pas avec le mal. Il s'en détourne parce qu'il a la crainte du Seigneur, la crainte de Yahweh. Oh là 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 là. Beaucoup de mélanges. On vit dans le péché et on veut prêcher la parole. On vit dans la drague, on veut prêcher la parole. La drague, beaucoup draguent les femmes. Il n'y a pas la crainte du Seigneur. La crainte, il n'y a pas. Quand on craint le Seigneur, on ne drague pas les femmes. Quand on craint le Seigneur, on ne drague pas les hommes. Quand on craint le Seigneur, on ne séduit pas les hommes et les femmes. Non, c'est pas ça la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est quoi? On a dit, hein, on l'a vu, hein, se détourner du mal. Et draguer, c'est le mal. Oh oui. Beaucoup diront, mais comment faire pour rencontrer son mari? Comment faire pour rencontrer sa femme? Il faut bien le draguer. C'est pas comme ça se passe, mon ami. C'est pas comme ça, parce que toi, tu passes de femme en femme. Toi, tu dragues femme, 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 femme. Femme, 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 femme. T'as même pas prié par rapport à ton futur mariage. Mais toi,
tu es tombé dans il faut séduire les femmes, séduire la femme, les paroles mielleuses, les paroles qui amènent au péché, mes amis, le mal. Voilà pourquoi, hein, faut même pas essayer de me faire boire le péché. N'essaie même pas de me mélanger avec ton péché, tout ça. Mon ami, je me sépare de toi, je me sépare du péché. Oh oui, pas de pitié, pas de sentiment. Oh non, 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 non. Beaucoup sont dans les sentiments. Beaucoup de chrétiens sont dans les sentiments, sont dans les magouilles, ils sont dans le péché. Voyez, il n'y a plus la crainte. Beaucoup n'ont plus la crainte d'Elohim. Ils craignent plus l'homme qu'ils craignent la parole du Seigneur. Ils craignent plus les paroles des hommes qu'ils craignent la parole de Yeshua de Nazareth. Voilà pourquoi beaucoup d'idolâtrie. Voilà pourquoi beaucoup seront disqualifiés, sont disqualifiés. Pourquoi? Eh bien, ils ont plus peur des hommes. Ils craignent plus l'homme qu'ils craignent la parole du Seigneur, mes amis. Le péché. Ah oui. Le mal. Et le Seigneur veut délivrer nos cœurs. Le Seigneur veut nous affranchir. Il veut nous délivrer du péché, mes amis, qui fait la guerre, qui nous fait la guerre. Il veut nous en séparer. Donc si tu es chrétien, ma sœur, et que tu t'es séparé de telle ou telle personne parce que tu as vu qu'il vient le péché, il ne se reprend pas, quitte-le, il faut le quitter. Allez demander à Pierre ce qui s'est passé quand Ananias et Saphira ont menti. Allez demander à Pierre. C'est comme si Pierre dit au Seigneur, « Oh Seigneur, tu manques d'amour. Oh Seigneur, tu as frappé Ananias et Saphira, tu les as tués. Oh Seigneur, franchement, tu manques d'amour, Seigneur. Franchement, là, c'est pas normal. Franchement, Seigneur, ben non, c'est pas sérieux, Seigneur. Tu manques d'amour, là. T'as tué Samuel, Ananias et Saphira. Tu manques d'amour, Seigneur. Ben non. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens veulent te faire marcher avec des Ananias et Saphira. Dans la compromission. Voilà pourquoi il n'y a plus la crainte. Quand tu as la crainte du Seigneur, même si c'est Ananias et Saphira, même s'ils étaient, je ne sais pas quoi, riches, beaux, grands, si tu vois qu'ils vivent dans le péché et qu'ils ne se repentent pas, tu ne peux pas prier avec eux. Voilà pourquoi beaucoup prient ici par intérêt. On veut marcher avec les gens par intérêt. Tu sais qu'ils sont dans le péché, hein? Tu sais qu'ils volent. Tu sais qu'ils sont dans les magouilles, l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie. C'est un hypocrite. Tu sais, dans les coulisses, il y a des magouilles sur magouilles. Tu sais cela. Mais tu t'obstines à marcher avec lui. Pourquoi? Les sentiments et les intérêts. Un jour, le Seigneur nous avait parlé à travers un homme, un SDF. Hein? Un SDF. Je vous dis la vérité. Hein? Il nous a parlé à travers un SDF. Un jour, on était parti manger au restaurant avec des frères. On sort du restaurant. Un SDF sort de là où il sort. C'était vraiment quelqu'un qui mène une vie un peu compliquée, ça se voyait. Dans le sens où, de manière visible, c'est pas quelqu'un qui peut attirer le regard de niveau, au niveau de l'apparence. Le monsieur nous a dit quoi? De faire, en gros, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, de faire tout ce que le Créateur vous dira. Faites tout ce que le Créateur vous dira, une parole comme ça. Il nous disait à un moment donné, il y a une phrase qui nous a marqué jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup se compromettent. Pourquoi? Il y a des intérêts. Ah oui, il y a des intérêts. Bon, elle, comme elle chante bien, bon, je ne vais pas dénoncer son péché parce que sinon mon église va se vider. Sinon ma vision, sinon mon œuvre va se vider. Donc, je veux la garder. Pourquoi? Parce qu'elle sait chanter, mes amis. Faut partager ça, mes amis. Trop de péchés parmi les chrétiens. Trop de péchés, mes amis. Trop de mal. Il n'y a pas la crainte. Bon, comme un tel a une société, comme un tel a beaucoup d'argent, ben, je ne vais pas trop dénoncer son péché. Pourquoi? Ben, parce qu'elle va me rapporter de l'argent. Donc, je ne vais pas la dénoncer. Mes amis. C'est pour ça, hein? Riche ou pas riche, il faut se séparer du péché. Se séparer du mal, de ceux qui vivent dans le mal et qui se disent chrétiens. Voilà pourquoi il ne faut pas aimer le monde plus que le Seigneur. Il ne faut pas aimer l'homme plus que le Seigneur. Non. Un jour, à Paris, pendant mon travail, il y a l'équipe de Madrid. Je vais reparler de ça. Mes amis, quand on aime Yeshua, quand on suit le Seigneur, ce n'est pas à moitié, hein, c'est à fond. Quand on suit l'évangile, quand on suit Jésus, c'est à fond, on est bouillant. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un pied là, une orteille là-bas, une main derrière, des yeux en haut, des yeux à gauche. Non, 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 non.
tout est pour Jésus. Et très peu veulent payer ce prix. Très peu, très peu. Parce qu'il y a la compromission. Parce qu'on a humanisé la parole. On a conformisé la Bible à notre génération. Et on ne veut plus la vivre. On ne veut plus vivre cette parole. Pourquoi? Parce qu'on a conformisé la Bible à notre génération. Mes amis, afin d'être aimé, afin d'être accepté par les pécheurs, par le monde qui est dans les ténèbres. Mes amis, le péché. Terrible, mes amis, terrible, 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 terrible. On dit oui, il faut l'amour, il faut l'amour. Mais quel amour on parle? Quelqu'un dans le péché, tu lui prêches la repentance, il ne se reprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher avec lui? Non! C'est comme si Judas a volé l'argent. Judas est un voleur. Bon, son péché a été caché pendant pas mal de temps. Pendant pas mal de temps, son péché a été caché. Ça n'a pas été su. Mais son péché a été dévoilé. Que faut-il faire? Continuer à marcher avec Judas? Bien qu'il se repentit, mais sa repentance n'était pas sincère. C'est pour cela que quelqu'un qui se repent, eh bien, quand on se repent, il y a quoi? Eh bien, on se sépare, mes amis, du péché. Et on porte du fruit. Quand il y a repentance, on porte du fruit. Ah oui, il faut les fruits de la repentance. Mes amis, il faut les fruits de la repentance. C'est Judas demandait pardon, 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 pardon. Mais il s'est tué. C'était pas une repentance sincère, mes amis. C'était une repentance de la bouche. Comme beaucoup se repentent de la bouche, ils disent pardon de la bouche. Oh pardon, oh pardon. Mais dans leur cœur là, il n'y a pas la repentance. C'est une fausse repentance. Ah oui, une fausse repentance. Quelqu'un qui se repent, il faut observer si ben, sa repentance est sincère. Si elle porte du fruit, sa repentance là, mes amis. Ah oui, de peur d'être trompé parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est rempli de péché, rempli d'abomination. Voilà pourquoi il faut voir les fruits de quelqu'un qui se repent. On doit voir les fruits de sa repentance. Ah oui. Oh oui, le péché, le mélange, la compromission, si cela, mes amis. La crainte du Seigneur, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas d'idolâtrer les hommes. La crainte du Seigneur, c'est d'adorer le Seigneur lui seul. Lui seul, uniquement, pas adorer les hommes. Pas adorer cette génération. Pas adorer les traditions de ce monde. L'autre fois, je disais tout à l'heure, on a vu Zidane, à côté de mon travail. Il y avait l'équipe de Madrid qui était là. Toute l'équipe de Madrid était là. Du coup, il y avait une foule de supporters qui étaient là. Du coup, il y avait Zidane qui sort du car. Donc, j'appelle Zidane. Oh, Zidane, Zidane, viens, viens, viens. J'appelle Zidane. Zidane, viens, viens. Donc, Zidane, on me dit non, il ne va pas venir. Zidane, il arrive. Zidane se tourne, il arrive vers moi. Il arrive. Je lui dis, Zidane, Jésus-Christ t'aime et il veut sauver ton âme de l'enfer. En gros, tu dois te repentir. Et je lui passe un flyer où on parle de Jésus-Christ. Un flyer où le message de l'évangile. Voyez, je lui ai passé ce flyer et tout le monde était comme ça, les yeux grands ouverts autour de moi. Mais ça va pas, t'es malade ou quoi? C'est Zidane quand même. J'ai dit, mon ami, j'adore Jésus seul, j'adore mon créateur seul. Zidane ou pas Zidane, il va aux toilettes comme moi, mon ami. Zizou ou pas Zizou, il va aux toilettes comme moi, mes amis. Pas d'idolâtrie. Même si c'était Thierry Henry, peu importe la star, millionnaire, milliardaire. Je veux lui parler de Jésus, qu'il doit se repentir parce qu'il va mourir sans l'argent. Il doit se repentir parce qu'il va mourir et l'argent va rester sur la terre. Tu peux être millionnaire, mon ami, tu vas mourir. Voilà pourquoi nous, les enfants du Seigneur, on doit craindre Jésus. Craindre Jésus. Aujourd'hui, beaucoup ne craignent pas le Seigneur. La crainte du Seigneur n'est plus dans beaucoup de cœurs. Pourquoi? L'amour du monde a pris le dessus. L'amour de cette génération a pris le contrôle des cœurs, beaucoup de cœurs. Au point où lorsque Jésus est prêché, au point où que des chrétiens se lèvent pour aller crier Jésus, prêcher la repentance dans les rues, ça devient abomination, mes amis. Parmi les chrétiens, ça devient abomination. Mais pourquoi écrit? Mais pourquoi écrit comme ça? Mais pourquoi? C'est pas comme ça, mon ami. Vous avez humanisé la Bible. Vous avez mis la Bible, vous l'avez conformisée à ce siècle présent. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Quand la Coupe du Monde est gagnée, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont crier dehors sans problème. Chrétiens comme païens. Tout le monde crie Alléluia. La Coupe du Monde.
On est les champions, on est les champions, on est les champions. Combien ont crié quand PSG a gagné Barcelone? Combien crieront si PSG gagne la Ligue des Champions? Combien? Beaucoup de chrétiens. Mais quand il s'agit de les crier Jésus, parler de Jésus, Allah ça coince. La crainte du Seigneur. Très peu la crainte. Beaucoup n'ont plus la crainte. Beaucoup n'ont pas la crainte véritable. Cette révérence. Il y a un reste infime dans cette génération qui prend position pour la Bible. Mes amis, très peu prennent position pour la vérité. Très peu prennent position pour l'évangile de Jésus. Très peu prennent position pour la Bible. Très peu prennent position pour l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'on a peur du regard de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a honte du nom de Jésus. La parole dit, hein, celui qui a honte de moi, il dit le Seigneur, eh bien il aura honte de nous devant le Père. En gros, il aura honte de toi, mon frère, ma soeur. Si tu as plus, amour pour le monde, plus amour pour les choses de la terre, et moins pour le Seigneur, tu seras disqualifié. Tu passeras à côté. Et beaucoup ont honte de Jésus. Pourquoi tu n'as pas honte d'aller crier la Coupe du Monde dehors? Quand c'est la Coupe du Monde, vous criez bien dehors, beaucoup de chrétiens. Hein? Mais pourquoi quand c'est Jésus, eh ben, vous ne voulez pas parler de lui? Hein? Vous commencez à diaboliser ceux qui annoncent l'évangile. Eh bien, eux là, leur récompense sera terrible dans les cieux, mes amis. Voilà pourquoi toi, ma soeur, mon frère, qui va dehors, qui fait le travail, qui fait le travail du Seigneur, eh bien, laisse-moi te dire que ta récompense sera magnifique au ciel. Là, prends des coups, continue à prendre des coups. Continue à pleurer, continue à gémir. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ta récompense sera terrible au ciel. Alléluia. Ta récompense sera terrible. Oh oui, beaucoup de ceux qui se croyaient arrivés, beaucoup de ceux qui se croyaient élus, je ne sais pas quoi, ok, on peut être élu, il n'y a pas de souci, mais beaucoup qui sont tombés dans l'orgueil, mes amis, ils passeront à côté. Oh oui, c'est terrible. Le Seigneur enverra ceux qui n'ont pas peur de témoigner de lui. Le Seigneur enverra ceux et celles qui ont les yeux fixés vers lui. Le Seigneur enverra ceux et celles qui ont vomi le monde, qui ont vomi les traditions de ce monde, qui ne sont pas idolâtres de ce monde. Eh bien, ceux-là seront envoyés par le roi. Alléluia. La crainte du Seigneur, c'est de se détourner du mal, se détourner du péché. Voilà la crainte du Seigneur. Voilà qu'est-ce que craint le Seigneur. Ce n'est pas la crainte du Seigneur, tu as une peur. Non, non, tu obéis au Seigneur. Tu obéis à sa voix. Tes yeux sont fixés que vers lui et lui seul. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est terrible. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, quand tu ne salues pas un chrétien qui est dans le péché, il va te dire, ah, t'es pas bon, mon ami, tu te rends pas tes péchés, je vais pas te saluer. Je vais pas te saluer. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Et la parole est claire. On va le prendre. 1 Corinthiens 5, 9. 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai écrit plutôt, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? Donc on comprend bien par là, hein. C'est pas genre tu parles plus aux pécheurs du monde qui sont convertis. C'est pas ça. Là on parle de ceux qui se disent chrétiens. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Voilà pourquoi je veux me séparer. Quand tu viens me séparer dans la vie de tous les jours, de tous ceux qui se disent chrétiens et qui vivent dans le péché, qui refusent de se repentir. Oh oui. Oh oui, mes amis. Tu peux aller évangéliser quelqu'un. La personne est touchée. Ok. Tu vois que la personne, elle demande des versets, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois que la personne ne change pas. Tu vois qu'elle veut te séduire. Tu vois qu'elle veut te séduire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois la chasser, te séparer d'une telle personne. Pourquoi? Parce que tu risques de tomber dans le péché. Un an, deux ans. Je ne parle pas de deux semaines. Hein. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Tu vois que la personne, elle ne change pas. Sous ses réseaux, tu vois qu'elle met des mini-jupes. Sous ses réseaux, tu vois qu'elle met des seins à l'air. Tu vois qu'elle fait toutes sortes de choses bizarres. Qu'est-ce qu'il faut faire?
continuer à lui dire, viens, on va prier ensemble. Non, mon ami. Tu lui prêches la parole et tu te sépares d'elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les fruits. À un moment donné, il faut penser à son salut. Il faut sauver son âme. Et ne pas aller dans un amour. Oh, l'amour. Vous allez mourir comme ça, vous allez voir. Oh, l'amour, l'amour. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent. Oh, l'amour, l'amour. Il faut l'amour. Quel amour est ça? C'est un amour diabolique. Un amour qui vient de l'enfer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ici, là, qui vont entendre cette parole. Si tu sais que quelqu'un, comment dire, pratique le péché, il pratique, il se dit, il demande pardon, il pratique. Mon ami, il faut faire quoi, là, dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer. Pourquoi? Tu risques de subir aussi, de recevoir son péché. Et que ces démons qu'il y a en lui, là, ou en elle, eh bien, ces démons-là, ils vont t'attaquer. C'est une réalité, mes amis. Ah oui. Ah oui, mes amis. Comme un frère, l'autre fois, je lui parlais par rapport à un cas. Un cas terrible s'est passé. Le frère ne comprenait pas trop. On l'a revu. On leur a exposé la situation. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à une situation qui s'est passée, un cas de péché compliqué, il s'est passé quoi? Le frère en question ne saisissait pas trop. Je disais au frère, attention sentiment, attention mélange, parce que les démons de cette personne-là risquent d'attaquer ta maison, tes enfants, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Le frère a discuté avec ces personnes-là, il s'est passé quoi? Ben les démons attaquaient ça, ses enfants, sa femme et lui, sur deux jours, lui et notre frère, attaqués par les démons. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Il faut craindre le Seigneur. Ne pas être dans les sentiments. La crainte du Seigneur. Peu importe que tu aimes le frère ou la soeur beaucoup. Tu aimes beaucoup. Mon ami, ce n'est pas une raison de quand tu as à marcher avec ou prier avec. Il faut la séparation. Pourquoi? Parce que tu risques d'être combattu terrible, mon ami. Il faut te séparer. Pourquoi? Il en dépend de ton salut. Il en dépend de ta vie éternelle. Que veux-tu? Brader ta vie éternelle par amitié de quelques années? Ou suivre le Seigneur et avoir la vie éternelle. Que veux-tu, mes amis? Que veux-tu? Voilà pourquoi il faut la vie éternelle. Voilà pourquoi on doit marcher pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, mes amis. La vie éternelle. Ne pas brader son éternité à cause des sentiments charnels, des sentiments humains. Et Zidane, quand je dis à Zidane, Jésus t'aime, il veut te sauver, repentant de tes péchés, les gens étaient choqués. Choqués! Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'il allait prendre une faute. Même Zidane, quand il m'a vu, il était choqué parce qu'il pensait que il dit, c'est pour une photo. Je lui dis, non, Jésus veut te sauver. Jésus veut sauver ton âme de l'enfer. Repends-toi. En gros, tu dois te repentir de tes péchés. Mes amis, Zidane ou pas Zidane, hein, s'il meurt dans ses péchés, il va en enfer. Bien sûr qu'il va en enfer s'il meurt dans ses péchés. Même s'il est millionnaire, il va mourir, il ira en enfer s'il meurt dans ses péchés. Même avec ses millions. Et je prie que le Seigneur le visite. Ah oui. Je prie que le Seigneur le touche, car c'est notre prière, que aussi les riches soient sauvés, parce que la richesse aussi, la richesse de ce monde, là, quand tu es riche là, ah c'est chaud, tu vas dire mais tu n'as pas besoin de Jésus, tu as l'argent, tu as les belles voitures, tu as les maisons, mais et ton âme mon ami, et ton âme, c'est comment pour ton âme, voilà pourquoi, peu importe l'argent que la personne peut avoir, peu importe la richesse des gens, peu importe, et tu sais qu'il y a le péché, peu importe, mon ami, sépare-toi. Pourquoi? Parce que les intérêts là que tu as envers cette personne, eh ben tu risques de payer ta vie éternelle, rater ta vie éternelle au ciel à cause des intérêts. Quand il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. On commence à troubler, à changer la parole, à se mélanger. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts, mes amis. L'argent. Oh oui. Vous savez, le Seigneur est fort. Hein? Donc, il dit quand tu rentres dans une salle, ne t'empresse pas de prendre la première place, mais de prendre la dernière place, d'aller derrière. Aujourd'hui, pour être bien accepté, il faut avoir, faut avoir l'argent, pour être bien vu de ce monde, il faut avoir l'argent, faut ceci, cela. Avoir la première place, mes amis. Mais le Seigneur regarde souvent à ceux qui sont derrière là-bas, au fond là-bas. Là. C'est eux là qui prennent plaisir, c'est eux là, mes amis, mes frères et sœurs. Alléluia. La crainte du Seigneur, c'est quoi craindre le Seigneur? Craindre le Seigneur, c'est pas marcher dans la compromission. Ah oui. Craindre le Seigneur, ce n'est pas pratiquer le mensonge. C'est s'en détourner. Craindre le Seigneur, ce n'est pas d'aller prier avec tout le monde.
toutes les églises, toutes les religions. Ça, c'est pas l'amour du Seigneur, mes amis. Oh, comme il faut l'amour, ben, vous savez, ben, on peut se réunir avec tout le monde, comme il faut l'amour. C'est un amour diabolique. Parce que la parole dit quoi? Il dit quoi le Seigneur? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. La lumière, c'est les enfants du Seigneur. Les ténèbres, les enfants du malin, du diable. Comment veux-tu qu'on se mélange, mes amis? On ne peut pas se mélanger avec des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, qui se disent croyants et qui vivent dans le péché. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Même si on te dit que tu n'as pas l'amour, ce n'est pas ton problème, c'est par toi. Ah oui, c'est par toi, mon ami, c'est par toi. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Pas de sentiment. Crains le Seigneur, c'est quoi? C'est pas tromper sa femme. Crains le Seigneur, c'est quoi? Pas draguer les femmes, pas draguer les hommes. Oh oui, c'est ça, crains le Seigneur. Crains le Seigneur, c'est quoi? Ce n'est pas se compromettre avec les pécheurs. Non, c'est pas ça, crains le Seigneur. Crains le Seigneur, c'est pas quoi? C'est quoi le crains le Seigneur? Eh bien, tu sais que quelqu'un vit dans le péché. Eh bien, tu ne dois pas te mélanger avec. Tu dois lui exposer son péché et t'en séparer et t'en détourner, mon frère, ma soeur, de cette personne qui refuse de se repentir. Et même s'il se repent, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu marches avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il faut que tu manges avec lui ou que tu fasses l'œuvre avec lui. C'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire, mes amis, que quand quelqu'un demande pardon. Non. Chacun peut prendre aussi son chemin. Voyez. Crains le Seigneur. Eh ben, c'est marcher dans la vérité. Voyez. Crains le Seigneur, c'est prendre position pour la vérité. Crains le Seigneur, eh ben, c'est pas voler. Crains le Seigneur, c'est pas mentir. Crains le Seigneur, c'est pas se compromettre. Oh, vous savez, on va accepter un petit peu. Ça, c'est pas la crainte, ça, c'est le mal, le péché. Alléluia. Alléluia, c'est terrible la parole. Voyez, la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur. C'est quoi craindre le Seigneur? Eh bien, c'est pas se mélanger. Craindre le Seigneur, c'est se séparer du péché, se séparer tous les jours. Craindre le Seigneur, eh bien, il ne faut pas convoiter les femmes. Craindre le Seigneur, c'est pas voler. Craindre le Seigneur, c'est pas les tricher, mes amis. Craindre le Seigneur, ce n'est pas de se masturber. Voyez, beaucoup n'ont plus la crainte du Seigneur. Hein? On va dire, oui, il ne faut pas dénoncer le péché, il ne faut pas dénoncer la masturbation, il ne faut pas dénoncer le vol. Allez demander au Seigneur qu'est-ce qu'il ressent quand il voit les pécheurs sur la terre. Demandez au Seigneur pourquoi est-il mort sur la croix, pourquoi son sang a coulé. Demandez-lui, il va vous répondre. Demandez-lui. Demandez au Seigneur c'est quoi son cœur. Demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur. Demandez-lui. Demandez au Seigneur de vous faire ressentir son cœur par rapport aux hommes et femmes qui vivent dans le péché. Demandez-lui. Demandez-lui, il va vous répondre. Quel sentiment a-t-il dans son cœur par rapport au péché? Demandez-lui. Parce que beaucoup aujourd'hui n'ont plus les sentiments qui sont en Yeshua. Très peu, beaucoup n'ont pas ce sentiment qui est en Yeshua. La vie de Yeshua. La lumière de Yeshua. La sainteté de Yeshua. Le péché, le mélange. Mes amis, tu crains plus qui, l'homme ou le Seigneur? Tu crains plus qui, ta mère ou le Seigneur? Tu crains qui, toi? Qui crains-tu plus, mon ami? Devant qui tu trembles? Hein? Devant qui trembles-tu? Très peu prennent position pour la vérité. Très peu prennent position pour la parole du Seigneur. On doit prendre position pour la parole de Yeshua. La parole du Seigneur Yeshua qui nous délivre, qui nous sauve. Prendre position pour cette parole puissante, mes amis. Qui est prêt à prendre position pour cette parole? Qui ose prendre position pour cette parole? Cette parole glorieuse, cette parole qui nous sauve, qui nous délivre. Qui aujourd'hui veut prendre position pour la vérité? Prendre position pour ce que le Seigneur leur dit. Très peu dans cette génération. Pourquoi? On a peur du rejet. On a peur de se retrouver seul. On a peur d'être lapidé. Voilà pourquoi le Seigneur pleure pour beaucoup dans cette génération. Le Seigneur, le cœur du Seigneur saigne. Très peu prennent position pour sa parole. Très peu prennent position pour la vérité, pour la lumière. Beaucoup de magouilles. Beaucoup de magouilles, de magouilles et de magouilles. Beaucoup de péchés dans le cœur de beaucoup de chrétiens. La crainte du Seigneur, mes amis. La crainte, c'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte? C'est se détourner du mal, se détourner de la cupidité.
se détourner de l'adultère, se détourner de la méchanceté, se détourner du manque de pardon et pardonner. Alléluia. Alléluia. On va dire oui, mais quand on pardonne, il faut recommencer à marcher ensemble. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que quand on pardonne quelqu'un, il faut de nouveau continuer à lui faire confiance, à enfermer les yeux. C'est pas grave, ben, tu sais, on peut marcher ensemble, on peut. Mon ami, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, mes amis. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. La méchanceté, mes amis. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. La crainte. Beaucoup d'apparence. Les gens font semblant de craindre le Seigneur devant les hommes. Devant les hommes. Mais dans le secret là, c'est autre chose qui se produit. C'est autre chose, mes amis. La crainte du Seigneur. Waouh, 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 waouh. On voit dans la Bible, Hérode et Pilate se sont ligués ensemble. Pourquoi? Contre Yeshua. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi parmi les chrétiens. Il n'y a plus la crainte. C'est la guerre, un tel avec un tel ligue, se ligue contre un tel, il n'y a plus cette crainte-là, cette sainteté-là de Yeshua. Alléluia. Oh mes amis, on va continuer. Waouh. On va prendre Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements, Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance d'Elohim. Waouh! Oh Seigneur! Yahweh donne la sagesse et de sa bouche la connaissance et l'intelligence. Il garde précieusement le succès durable pour ceux qui sont droits. Voyez. Et il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Combien experts, combien font des incantations? Combien même de chrétiens, dans leur, en fait, leur langue là est en train de maudire. Ils maudissent, ils maudissent, ils maudissent. Comment tu veux maudire quelqu'un qui est droit devant le Seigneur? Comment voulez-vous détruire quelqu'un qui marche dans la droiture, qui marche dans les voies du Seigneur? Il ne peut pas être touché, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte, mes amis, la crainte du Seigneur, ça nous protège de beaucoup d'embûches. La crainte du Seigneur nous protège de beaucoup de malheurs. Voilà pourquoi il faut la crainte. Pas de sentiment, mais craindre le Seigneur, prendre des risques d'obéir à la parole du Seigneur tous les jours, au risque d'être lapidé, rejeté, se retrouver seul. Et ça là, très peu. Ah là là, l'homme veut pas ça. L'homme veut pas être seul. L'homme veut être aimé. Ça c'est l'homme. Il veut pas être seul l'homme. C'est comme ça qu'il est l'homme. Il veut pas être rejeté. Il veut pas. Donc il va se mélanger. Il va commencer à trouver des intérêts. Il va. Enfin, comme nous l'a dit le monsieur l'autre fois. Quand il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. Mais comme il y a des intérêts à marcher avec les frères et sœurs qui sont dans la compromission, voilà, ben on va rester avec eux. Pourquoi? Ben avec eux, ben on peut manger, on peut boire, on peut faire l'œuvre sans que nos péchés soient dénoncés. Voilà pourquoi on peut beaucoup prêcher la parole du Seigneur, mais ils sont dans le péché, sont dans le mélange, ça drague les femmes dans les coulisses, tout ça, et on prêche la parole, mes amis. Ça là, vous serez jugés. S'il n'y a pas repentance, vous serez jugé, parce qu'il faut craindre le Seigneur. Oh oui, la crainte du Seigneur. On peut mentir, beaucoup mentent, hein. Beaucoup mentent, il y a beaucoup de mensonges. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. On peut mentir, on peut mentir, déformer les propos des uns des autres, déformer les propos, mentir. On te dit A, mais toi tu dis B, tu dis X. Pourquoi? Simplement pour détruire l'homme. Détruire ton frère ou ta soeur. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur justifie toujours ses élus qui marchent dans la droiture, ceux qui le craignent. Mais ceux qui ne le craignent pas, ils s'enfonceront, ils tomberont, ils chuteront. Et cela sera au vu de tous, mes amis. C'est terrible, hein? La crainte du Seigneur, c'est quoi craindre le Seigneur?
Même si ton frère a péché, tu l'aimes beaucoup, c'est ton frère, c'est ton frère, c'est ton frère, ok. Mais si tu vois que ton frère là ne se repent pas, il s'enfonce dans le péché, il s'enfonce, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui dire, bon, comme c'est mon frère, ben, ah là là, comme c'est mon frère, comme c'est ma soeur, bon, je vais pas exposer ça parce que, tu sais, sinon lui aussi il va exposer mon péché aussi, sinon. Aïe, 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 mince. Ah, c'est le péché ce qu'il fait là. Là, il est dans le péché. Il est en train de coucher avec une autre femme qui est dans l'adultère, tout ça. Mais, ah là là, mais moi, j'ai fait un truc qu'il a vu aussi. Donc, si je le dénonce, il va aller dénoncer ce que j'ai fait il y a 2 ans aussi. Là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais étouffer ça. Hein. Je vais pas trop lui. Aïe, 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 je vais pas le dénoncer parce que sinon, il va m'exposer aussi. Ce que j'ai fait il y a 1 an là, il y a que lui qui le connaît. Il y a que lui qui le connaît et. Mince alors, mince, mince, mince. Ben qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais le couvrir. Je vais le couvrir. Il n'y a plus la crainte, mon ami. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Quand beaucoup font ça, il n'y a plus la crainte. Vous êtes en train d'aller en enfer, mes amis. Il n'y a plus la vérité. Ah oui, c'est la compromission. C'est pas ça craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur, c'est quoi? Même si ton frère a péché et qu'il refuse de se repentir, il refuse. Il s'enfonce, il détruit des âmes autour de lui. Il détruit. Il faut le dénoncer, mon ami. Ah oui, le dénoncer. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé aussi parmi nous, parmi l'équipe, cette vision que le Seigneur nous a donnée, cette vision. Il y a eu des choses compliquées dans les coulisses. Ben, on a fait quoi? Averti. Eh ben, on a dénoncé ça. On a dénoncé. Pourtant, c'est pas l'amour qui manquait. Des gens qu'on aimait énormément. Mais quand il s'agit de la Bible, quand il s'agit de la vérité, ah non, 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 non. Je prends position pour la Bible. Qu'on me lapide ou pas, qu'on me traite de tous les noms ou pas, qu'on me traite de je sais pas quoi, je prendrai position pour la Bible. Quoi qu'il m'en coûte, la parole, la vérité, la transparence, la justice, et c'est pour cela que je prendrai position, la Bible. Juste pour témoigner aussi, que nous, on doit prendre position pour tout ce que le Seigneur va nous donner, même à faire au niveau de son œuvre, au niveau de la mission, au niveau de la vision. Parce que beaucoup, ben, ils n'ont plus la crainte du Seigneur. Ils vont pas écouter le Seigneur. Au lieu de l'écouter, ils vont écouter les paroles des hommes, les paroles des pasteurs, les paroles des anciens. Et ils ne vont pas accomplir la mission que le Seigneur leur a donnée. Mes amis, juste pour témoigner, il y a quelques années, le Seigneur m'avait dit d'organiser une grande mission, une grande mission dans une ville. Voilà. Et on a organisé la mission. Enfin, au début, ça a mis du temps, en fait, pour que la mission se mette en place. Le Seigneur m'a parlé au mois de janvier. Et la mission s'est faite au mois de mai, en fait, 6 mois après. Et le Seigneur me parle. Il me demande d'organiser. Organise. Et je traînais. Donc, du coup, je n'avais pas organisé la mission. Et du coup, le mois était venu pour organiser la mission. Donc, du coup, j'en ai parlé aux frères et sœurs, à des frères et sœurs ici et là. Donc, du coup, cette mission a commencé à s'organiser. On était beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Beaucoup de frères et sœurs. Donc, du coup, on a commencé à organiser la mission. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un avec qui on a organisé la mission va dire à des anciens, oh, il y a une mission qui s'organise, on est beaucoup. Il s'est passé quoi? Eh bien, des anciens ont commencé à dire, oh non, il faut annuler la mission, faut pas y aller à la mission. Faut pas aller. Donc, du coup, plein de gens qui avaient voulu aller à la mission se sont quoi? Désistés. Pourquoi? Parce que des anciens ont dit, ben, la mission, faut pas y aller, faut l'annuler, etc. Et c'est passé quoi? Parmi ces personnes, il y en a plein qui avaient reçu que c'était du Seigneur. Prophétie, oh, c'est du Seigneur. Mais quand l'homme a parlé, quand les anciens commençaient à dire, faut pas y aller, tout ça, nanana, etc., patati, plein de choses, beaucoup qui avaient reçu ont commencé à dire, j'y vais plus. Et une partie a dit, nous, on y va. Donc du coup, la mission s'est organisée. La mission s'est faite parce que le Seigneur m'avait dit faut organiser cette mission, faut y aller. Donc du coup, dans mon cœur, même si l'homme disait oh, faut pas y aller, j'ai pas crié oh, le Seigneur m'a dit. Je suis simplement resté simple, dans le calme. Mais j'ai dit Seigneur, je ferai ce que tu m'as demandé. Mes amis, prendre le risque d'obéir au Seigneur plus qu'aux hommes. Et c'est là que ça coince pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Ah oui. Sous prétexte qu'on sera maudit. Ou sous prétexte que c'est l'orgueil. Ou sous prétexte que sinon on va dire oh, il n'écoute pas. Mes amis, il s'est passé quoi? La mission s'est faite par la grâce du Seigneur Yeshua.
On est parti à cette mission. Le Seigneur a touché des hommes. Il a touché un aveugle. Il a touché des âmes. Des âmes ont été touchées. Il y avait la gloire de Yeshua, mes amis. Les mêmes personnes qui ont dit qu'ils n'allaient pas, c'est eux-mêmes qui étaient secoués aussi, touchés, mes amis. Et se passe quoi? À la fin de cette mission, enfin, pendant cette mission, s'est passé un événement dans les chambres d'hôtel. Quelqu'un, enfin, il y avait des sœurs qui priaient trop fort dans une chambre. Elles priaient trop fort, tout ça. Donc, j'ai dit, calmez-vous, les sœurs, priez pas trop fort. À deux, trois fois, deux, trois reprises. Donc, elles se sont calmées par la suite par rapport à la prière. Elles chantaient ou priaient trop fort dans la chambre. Donc, du coup, elles ont arrêté de chanter et prier fort. Et c'est passé quoi? J'ai fait un retour à l'équipe par rapport à ce qui s'est passé, comment on travaille ensemble. Donc voilà, on se dit les choses dans la lumière. Donc du coup, j'ai fait un retour à l'équipe, à la question, qui était là. Donc du coup, le retour par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette soeur qui chantait trop fort dans la chambre, qui au bout de trois fois, elle a dû arrêter, elle a arrêté par la suite. Il s'est passé quoi? La mission s'est passée, c'était glorieux, glorieux. À la fin de cette mission, les mêmes personnes qui ont vu que le Seigneur a agi, a délivré des âmes, s'est manifesté, eh bien, un frère, qu'est-ce qui se fait? Un frère, au retour de la mission, va voir les anciens et dit, oh, il y avait des désordres, je ne sais pas quoi, patati, patata. Et c'est passé quoi? Eh bien, cette mission a été décriée, alors que ce cas-là était réglé. Donc, j'ai appelé le frère en question. J'ai dit, frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es parti dire que la mission, il s'est passé ici, il y avait des problèmes, je ne sais pas quoi, alors que c'était un cas isolé que j'ai réglé et c'était réglé. Du coup, tu vois, il m'a dit, oh pardon, pardon, pardon. Et ce que j'ai compris, mes amis, mes frères et sœurs, c'est que très peu de personnes prennent position pour le Seigneur. Beaucoup font des choses pour être bien vus, pour avoir des postes devant les hommes. Voilà pourquoi le Seigneur, eh ben, il n'est pas dans ce genre de choses. Le Seigneur vomit cela, mes amis. L'hypocrisie. Faire les choses pour être bien vu. Prêcher la parole d'une manière pour être bien accepté. Être compris de ce monde. Voilà comment beaucoup de chrétiens passent à côté de l'œuvre du Seigneur. De l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. De l'œuvre de l'Esprit Saint. On se compromet. On est prêt à même lapider son frère. À tuer son frère pour vivre. Voilà comment beaucoup iront en enfer. Voilà pourquoi beaucoup, mes amis, mes frères et sœurs, passeront à côté du ciel à cause de telles choses. S'ils ne se repentent pas, mes amis, beaucoup de m'as-tu vu. Beaucoup font des choses pour être bien vu, mes amis, c'est chaud. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est terrible. Oh là 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 là. Oh Seigneur mon roi, l'heure est terrible, 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 terrible. Vaut mieux obéir à qui? Le Seigneur ou les hommes? Là, j'aurais pu dire quoi? Oh Seigneur, c'est des anciens, Seigneur. Oh le Seigneur, c'est des anciens qui m'ont dit qu'il ne faut pas faire ça. Seigneur, ben, Seigneur, je fais comment, Seigneur? Oh Seigneur, tu sais, si je ne fais pas, Seigneur, si je ne les obéis pas, Seigneur, ils vont me dire, je suis orgueilleux, Seigneur. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, hein, tu m'as dit de le faire, Seigneur, je l'ai fait. Donc maintenant, Seigneur, ben, tu m'as dit de le faire, je ne veux pas maintenant dire que j'arrête. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Voilà pourquoi, quand le Seigneur parle clairement, que le Seigneur te parle clairement, mon frère, ma soeur, eh bien, il faut obéir au Seigneur. Et le fait d'obéir au Seigneur, eh bien, tu passeras pour un orgueilleux. Tu passeras pour quelqu'un de têtu, quelqu'un qui n'écoute pas. Oh, c'est terrible. Je vous une parenthèse. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer le plateau télé qu'on a fait, vous pouvez vous voir sur notre chaîne, on a fait des plateaux de télévision. Et entre 2013 et 2017, on était souvent dehors, crié partout. Et puis le Seigneur, ben, c'est de gloire en gloire. Le Seigneur voulait aussi que la vision qu'il a communiquée puisse passer aussi à autre chose, afin d'enseigner aussi. Parce qu'on est évangéliste, c'est glorieux, c'est glorieux. Et puis le Seigneur demande quoi? Il me demande quoi personnellement? Il me demande de commencer un plateau télé, mes amis. Il me dit clairement, j'ai dit Seigneur, il me parlait pendant plus de 20 minutes après mon travail, c'était en 2017. Il me demande de commencer un plateau télé et tout ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Seigneur, je fais un plateau télé. Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les hommes, Seigneur, les anciens? Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire qui? Seigneur, mais... J'ai dit, Seigneur, bon, d'accord, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, d'accord, ben je fais. Après, je fais. Seigneur, c'est toi qui as dit. Hein. Du coup, j'ai commencé à mettre ça en place. J'ai commencé à expliquer la vision dans les coulisses aux frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Un plateau télé, mes amis. Et c'est là qu'a commencé tous mes problèmes. Parce que ben, j'ai commencé à vouloir obéir au Seigneur. On m'a dit non,
tout ça, ça va trop vite, tout ça, on m'a même fait asseoir. Fait asseoir tout ça parce que ça allait trop vite, tout ça parce que, mais j'ai dit, mais c'est ça qui m'a mis à cœur le Seigneur. On m'a dit, on te fait asseoir pour te protéger. Pour te protéger, tout ça. Donc du coup, honnêtement, j'ai pas compris, j'ai dit, Seigneur, mais je comprends pas. Tu me demandes de faire une chose, l'homme me dit, oh, je veux m'asseoir parce que, pour me protéger par rapport, même si j'ai pas péché, mais on me fait asseoir quand même. J'ai dit, mais Seigneur, mais on fait asseoir quelqu'un qui a péché, Seigneur, je comprends pas, Seigneur, je parle au Seigneur. Du coup, on m'a fait asseoir, etc., etc. Bref, je saute les parenthèses, les étapes. Du coup, en fait, le Seigneur est intervenu. Le Seigneur est intervenu, et effectivement, eh ben, j'ai commencé par sa grâce à mettre en place ce qu'il m'a demandé de mettre en place, le plateau télévisé, et commencer à donner des messages que le Seigneur donne. Et mes amis, mes frères et sœurs, en fait, il faut obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Il faut plaire à qui? Aux hommes ou au Seigneur? Et c'est là que ça peut coincer. Et quand j'ai commencé à faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est là qu'il est sorti, ah, j'écoute pas. Hervé n'écoute pas. Hervé n'écoute pas. Hervé n'écoute pas. En fait, simplement, en fait, tu seras traité comme ça, mon frère, ma sœur. Tu seras traité de ce genre de choses, de tu n'écoutes pas. Pourquoi? Quand tu vas commencer à obéir à tout ce que le Seigneur va te demander de faire, tu seras traité de tous les noms. Et c'est là qu'il faudra la crainte du Seigneur, mes amis. C'est là qu'on parle de la crainte du Seigneur et non la crainte des hommes. C'est là qu'on a vu les apôtres obéir au Seigneur et non à l'homme, malgré que c'était chaud pour eux. Hein. Les pharisiens leur ont dit, on vous défend de parler en ce nom-là. On vous défend de prêcher ce nom-là. Ils ont dit quoi aux pharisiens? Ils ont dit quoi? Vaut mieux plaire à qui? Aux hommes ou au Seigneur, mon ami? Ils ont fait le choix. Ils ont cherché à plaire au Seigneur. Ils n'avaient rien à perdre. Nous, les enfants du Seigneur, on n'a rien à perdre dans ce monde. Ce monde est vanité. Ah oui. Voilà pourquoi, même si, tu vois, le Seigneur, attention, il faut bien comprendre la chose. Hein. Ce n'est pas que tu es dans le péché, dans la pornographie, le mensonge, le péché, le mal, l'idolâtrie, la haine, le racisme, tout ça, le péché. Et qu'on te dit, ne fais pas ça, que tu dis, oh non, on m'empêche. Non, non, non. Si tu es dans le péché et qu'on s'oppose à que tu travailles pour le royaume, eh bien, il faut t'asseoir, mon ami. Parce qu'avec le péché, on ne peut pas servir Yeshua étant dans le péché. Ce n'est pas possible. C'est là qu'il faut s'asseoir. Tu dois t'asseoir dans ces cas-là, mon ami. Il faut bien comprendre parce qu'on va dire, oh, le frère a prêché, on m'empêche. Non, non, non. Si tu as un bon témoignage, un bon témoignage, tu crains le Seigneur, tu n'as pas de scandale sur toi, tu vis de la parole, tu vis de la sainteté et tu reçois une vision du Seigneur et que l'homme s'oppose à cela, mon ami, obéis au Seigneur. C'est là où on parle de cela. Obéis au Seigneur. Et c'est là où ça coince pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens tremblent plus devant les hommes, devant les anciens, les dirigeants, leurs apôtres, leurs prophètes, leurs dirigeants, qu'ils tremblent devant le Seigneur Yeshua. Et c'est là où le Seigneur pleure. Son cœur pleure, pourquoi? Parce que beaucoup de ses enfants ont remplacé l'humain dans son cœur, dans leur cœur, plutôt que le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi on va prendre notre passage. Dans 1 Roi 13, verset 11. 1 Roi 13, verset 11. On va parler du vieux prophète et le jeune prophète. Et là, on parlera plus de l'image du vieux prophète. Comment dire, comme étant un dirigeant ou un ancien, ou effectivement un faux chrétien ou un faux pasteur. Il faut bien comprendre le message. Voyez? Parce qu'on peut être enfant du Seigneur, même moi, enfant du Seigneur, et ne pas saisir quelque chose que quelqu'un fait. Ne pas comprendre quelque chose que quelqu'un fait. Mais ce n'est pas pour autant que j'irai à le détruire. Ce n'est pas pour autant que j'irai commencer à casser, à critiquer. Pourquoi? Ben, parce que ben, l'œuvre du Seigneur est là. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de la parole du Seigneur. On ne peut pas aller à l'encontre de l'évangile. Parce qu'en allant à l'encontre de l'évangile, eh ben c'est là qu'on attribue les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Yehoshua à Lucifer, au démon, mes amis. C'est terrible. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans l'adultère, dans la masturbation, dans le fraude, la séduction, le péché, son péché est clair, hein, et qui fait l'œuvre, ben, automatiquement on va le dénoncer. Automatiquement on dira non, c'est pas du Seigneur. Et là c'est là qu'on dira non, parce que la Bible dit aussi que le diable aussi peut faire des faux miracles. Ah oui. Et c'est là qu'on peut dire non, c'est pas du Seigneur ça. Ah oui. Ah oui, 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 mes amis. La crainte du Seigneur, c'est quoi la crainte du Seigneur? C'est quoi la crainte du Seigneur? Beaucoup n'ont plus la crainte du Seigneur.
On peut mentir, on peut commettre le péché, on peut vouloir contrôler les gens, on peut vouloir violer les gens. Beaucoup violent. Il y a des chrétiens violeurs, mes amis. Il y a des prédicateurs violeurs. Ils peuvent même violer leurs femmes. Voilà pourquoi beaucoup n'ont plus la crainte du Seigneur, mes amis. Beaucoup dans leur couple font pratiquer à leurs femmes des choses qui sont abominables. Abomination. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Beaucoup peuvent injurier, dire des gros mots. Quand tu dis des gros mots là, mon ami, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Non, 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 non. Je n'ai pas vu Pierre dire un gros mot. Je n'ai pas vu Yeshua insulter quelqu'un. Quand un chrétien dit des gros mots, mon ami, attention, il y a un problème. Et beaucoup voient que d'autres disent des gros mots. Beaucoup marchent avec des chrétiens, des frères et sœurs qui peuvent dire des gros mots. Et ils vont dire, ben c'est normal, c'est là, bon, on est faible. Hein. Mon ami, attention, la Bible est claire. Tu vois le péché, il faut le dénoncer. Voilà pourquoi même si quelqu'un est aîné, pas aîné, plus grand que toi, père de la foi, tout ce que tu veux, mon ami prophète, tout ce que tu veux, docteur, et que tu vois qu'il vit dans le péché, tu dois aller le voir et dénoncer le mal, mes amis. Oh oui. Et donc, et si tu ne fais pas ces choses, il se passe quoi? Eh bien, tu deviens l'esclave. Tu deviens l'esclave de ton pasteur, l'esclave de ton frère ou ta soeur. Tu deviens esclave et tu dis, oh non, comme c'est mon père spirituel, oh comme c'est ma couverture, tout ça. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont manipulés, détruits. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne prennent pas position pour la Bible. Ils ne prennent pas position pour Yeshua, mais prennent position pour l'homme. L'homme qui est mortel, l'homme qui est charnel. Beaucoup de compromis, mes amis. Beaucoup de compromissions. Et beaucoup dénoncent plus le péché. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont possédés. Eux-mêmes sont esclaves, liés par le péché. Comment vont-ils prendre position pour la vérité, mes amis? Comment vont-ils aller parler de Yeshua clairement, dans toute la vérité, toute la transparence? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas éclairés. Oh oui. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le trou, mes amis. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Où on a vu Pierre marcher en short dehors? Où on a vu Pierre, Paul mettre des shorts dehors et aller prêcher en short? On voit des chrétiens sur les réseaux aller prêcher en short. Ils sont débardeurs, ils sont serrés comme pas possible et ils veulent prêcher la parole. C'est quelle, vous prêchez quelle parole, mes amis, là? Vous prêchez quel Jésus? Hein? Quel Jésus vous prêchez? Hein? Un Jésus léger? Un Jésus mondain? Quel Jésus vous prêchez, mes amis? Claquette, short, pantalon serré, et ça veut prêcher la Bible. Hein? Prêcher l'évangile. On fait des coupes avec des traits partout, des coupes mondains. Quel exemple pour les pécheurs? Vous me direz, oui, le Seigneur ne garde pas l'apparence. Mon ami, quand le jugement va arriver, vous allez comprendre que le Seigneur aussi regarde nos apparences. Ah oui. Oh non, il regarde au cœur. Oh, le Seigneur regarde au cœur. Oui, au cœur. Mais tu vas comprendre un jour. La façon dont tu t'habillais là. La façon dont tes seins étaient dehors. La façon dont tes fesses étaient dehors. La façon dont tu t'habillais. La façon vicieuse dont tu t'habillais. Tu vas savoir là que le Seigneur regarde aussi à l'apparence. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Mes amis, on est à la fin. Le jugement sera terrible. Terrible sera le jugement. Pourquoi? Beaucoup de mélanges. Beaucoup ne prennent pas position pour la Bible. Ils traînent les pieds pour obéir au Seigneur. Ils traînent des pieds pour dire oui au Seigneur. Mais quand c'est l'homme qui parle, amen, amen. Mais quand le Seigneur dit A, ils ont du mal à faire A. Voilà pourquoi le Seigneur, hein, il va aller faire ses courses dans les poubelles. Chercher chercher qui? Eh bien ceux qui sont méprisés. Chercher qui? Eh bien ceux qui sont des rebuts de cette société. On a vu dans la Bible, hein? Il a pris des hommes qui étaient sans instruction, illettrés, ils ne savaient même pas lire. Et c'est eux qui ont manifesté la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis la vérité, le Seigneur Yeshua est en train de faire un tri terrible dans les nations. Parmi ceux qui se disent chrétiens. Et la parole dit que le jugement du Seigneur commencera par sa maison, dans son église. Séparation avec les boucs, séparation entre les boucs et les brebis. Beaucoup dans les coulisses, ça vit dans le péché.
Ça vit dans la cupidité. Hein? Ça ne vit que pour l'argent. L'argent, 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 l'argent. Quand il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. Donc comme lui, il est millionnaire, je ne vais pas trop le dénoncer lui. Parce que si je le dénonce, il ne va plus me donner de l'argent. Je ne vais plus bien manger correctement. Parce qu'il est millionnaire, mon ami. Parce qu'il est riche. Parce que ceci. Parce que cela. Parce que patati patata. Beaucoup ont pour Dieu leur ventre. Beaucoup ont pour Elohim leur ventre. Pour Dieu leur ventre. Ils sont prêts à tout pour leur ventre. Ils sont prêts à tout pour survivre. Au prix de rejeter la parole, au prix de rejeter Jésus et ses principes, la vérité, sa parole, la vérité. Voilà pourquoi j'ai des problèmes des fois. Voilà pourquoi j'ai des problèmes. Hein. Des chrétiens vivent dans le péché. Je vois ça, je dis ça, on dit ah il est méchant, il est pécheur, oh ceci cela, mon ami, je vais dénoncer le péché, mon ami. Ah non. Quelqu'un se repent pas. Ok, quelqu'un se repent, il n'y a pas de problème. Comme un frère, il avait péché. On avait dit, ok, tu te repens, on va t'aider, etc. Alors, on n'a rien dit à personne. Mais le frère continue. On va faire quoi? On va le dénoncer. On l'a dénoncé. Pourquoi? Ben parce que ben là, à un moment donné, on ne peut pas se compromettre. Non, non, on ne peut pas prier ensemble. Tu vas ramener des démons chez moi. Ramener des démons dans l'œuvre que le Seigneur fait. Voilà pourquoi je ne peux pas prier avec toi. Je ne peux pas. Non, 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 non. Ah non, pas de sentiment. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, mes amis, pas de sentiment. On va dire, je suis méchant. Dis tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais j'ai pris position pour la Bible. Ah oui. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Aimer son prochain, c'est lui dire la vérité. Aimer le Seigneur, c'est de se détourner du péché. C'est ça la vérité. Voilà l'amour du Seigneur, mes amis. Oh, mes amis. Un frère me disait un jour, oh mon frère, on te voit crier dans les vidéos, on te voit crier, 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 crier. Le frère m'a approché, il m'a dit, oh là là. Il pensait pas que j'étais comme ça en fait. Aussi simple, aussi tranquille. Moi ça m'a choqué. J'ai dit, Seigneur, gloire à ton nom. Tu vois, en fait, le Seigneur atteste. Le Seigneur parle au cœur de ses enfants. En fait, pour connaître quelqu'un, il faut se l'approcher. L'approcher, parler avec lui. Et c'est là que tu verras qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quelqu'un qui se dit chrétien, mon ami, tu vas le sentir qu'il est chrétien ou pas. La semaine dernière, on est parti faire des baptêmes. On faisait les baptêmes, tout ça. Et ben, les baptisés sont arrivés. Et du coup, il y en a qui parlaient. Et du coup, il y a une sœur qui s'est convertie, même pas un an, convertie au Seigneur. Le Seigneur l'a délivrée d'une maladie grave, hein. Elle avait une perte de sang depuis plusieurs années. Plusieurs années, elle perdait du sang. Elle perdait du sang, c'était terrible. Comme dans la Bible, perte de sang. Le Seigneur l'a délivré lors d'une conférence à Cergy. Délivré, mes amis. Plus de sang, plus de trucs. Toute sa famille se sont convertis. Ils se sont tous convertis à cause de quoi? De ce miracle. En gros, le Seigneur fait des miracles pour aussi montrer qu'il est vivant. Oh oui, pardon, c'est fermé. Et cette soeur-là me disait, mais oh, cette personne-là, là. Quand elle parlait, j'ai pas senti. J'ai dit oui, ma soeur, c'est vrai. Nous aussi, on a senti pareil. En gros, quand le cœur parle, tu sens ce qu'il y a dans le cœur. Tu sens si quelqu'un a connu Yeshua quand sa bouche s'ouvre, quand il parle. Tu sens s'il y a la vie de Yeshua. J'ai dit effectivement, c'est vrai. C'était un peu compliqué. Il y a encore des choses compliquées, des racines, tout ça dans le cœur. C'est compliqué encore à sortir, mes amis. Quelqu'un d'autre vient encore. La personne parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Mes amis, elle part. On dit, oh là là. Là, on a senti que là, il y avait cette rencontre avec le Seigneur. Là, il y avait cette rencontre qui était claire avec le Seigneur, mes amis. En fait, ce n'est pas seulement l'apparence qu'il faut regarder. Il faut regarder au cœur. Mais aussi l'apparence dit qui nous sommes aussi. Parce que beaucoup diront... Alors là, j'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui marchent en mini-jupe. Des hommes qui se disent chrétiens. Qui s'habillent comme des femmes. Hein? Des hommes qui se disent chrétiens. On voit qui mettent des pantalons serrés. On voit leurs fesses à l'air. On voit leur partie intime. Parce que tout ça est serré dans le pantalon, mes amis. Hein, vous voyez? Et ils vont dire, non, mais vous savez, le Seigneur ne regarde pas. Il regarde au cœur, le Seigneur. Mon ami, le Seigneur va te juger aussi pour ton apparence. Ah oui, parce que tu es dans la pudicité. Il va te juger. Et c'est là que beaucoup sauront que le Seigneur aussi
regardent l'apparence. Oh, ils regardent au cœur, ils regardent au cœur, ils regardent aussi à l'apparence, mon ami. Ah ben oui, pourquoi? Eh ben, on ne doit pas être une occasion de chute. Non, on ne doit pas être une occasion de chute, mes amis. Voyez? Un jour, un frère met un short complètement serré. Hein? Un short complètement serré. En plus, on a même reçu que quelqu'un a vu ça, quelqu'un a vu ça dehors. Quelqu'un a vu ça dans comment dire, c'était quoi ça encore? Comment dire? Un frère est parti Astérix avec d'autres frères. Du coup, avec un short serré, on a dénoncé ça. Oh, on dit que je suis méchant. Un short serré, mon frère. Hein. Un short serré au-dessus du genou. Serré comme pas possible. Je dénonce ça. On dit, oh, je suis méchant. Oh, patati. On veut ramener la photo chez les frères et tout, pour cautionner le péché. Mes amis, le frère a dit, mais c'est pas si compliqué ça. On a voulu faire boire ça au frère. Le frère a dénoncé ça. Que le Seigneur te fortifie, te bénisse au centuple, mon frère. Voilà, pas de compromis, pas de compromission. On a voulu aller voir ailleurs pour voir si d'autres donnaient raison. Comment déjà tu peux aller montrer ton choc comme ça? Mais c'est le péché, mon ami. C'est le péché. Comment veux-tu être chrétien et mettre des chocs compliqués et aller dehors? Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que quelqu'un, mes amis, hein, c'est grave ça. C'est pour ça en fait que Dieu craint le Seigneur là. La crainte du Seigneur là, il faut craindre le Seigneur partout. Hein. C'est pas seulement dans ton église du dimanche. Oh, tu parais simple, tu parais bien habillé. Et dans, dehors là, tu vis dans le mal. Tu t'habilles léger, tu mens, tu vis dans le fraude, tu fraudes l'étreint, tout ça. Et tous les dimanches, tu parais saint. Dans tes réunions avec les chrétiens, tu parais converti, tu parles en langue, tu peux pleurer. C'est pour ça, en fait, faut pas se fier à ça, mon ami. La crainte du Seigneur, c'est par rapport à la vie. La crainte du Seigneur, c'est par rapport au langage. C'est tout ça qui va avec la crainte du Seigneur. Quelqu'un a vu le frère en short là-bas. Quelqu'un qui venait dans les programmes qu'on faisait. Quand il a vu le short, il a dit, oh, mais il n'a pas compris ça ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est compliqué, mes amis. C'est compliqué. Donc, en fait, quand le frère voit ça, il peut mettre tout le monde dans le sac. Ah, si lui, il est comme ça, c'est que eux, là, c'est compliqué. C'est pour cela, chrétien, mon frère, ma soeur, il ne faut pas se mélanger. Hein. Il ne faut pas marcher avec les pécheurs. Hein. Ça va tomber sur toi. Ah oui, ça va éclabousser sur toi, mon frère, ma soeur. Donc, là où tu pries, si tu vois qu'il y a le péché, le sexe, ça couche là-bas, il y a le mal. Mon ami, je t'en supplie, hein, pars de là. Prends tes jambes à ton cou, sors de là. Tu vas périr aussi dedans, mon ami. Ah oui, regardez Jonas sur le bateau. Le bateau était en train de secouer, proche de couler. À cause de qui? Jonas. Pourquoi? Il était dans le péché, la désobéissance. Donc il s'est passé quoi? Il a mis en péril la vie de tout le monde. Alors que les autres n'avaient rien à voir avec lui en plus. Hein. C'était lui qui était dans la désobéissance. Quoique les autres étaient pécheurs. Mais le Seigneur, c'était lui que le Seigneur voulait attaquer. Voyez? Donc on va parler à quoi? Oh là là, écoutez-moi. Partagez massivement ce lien. Partagez-le. Partagez ce lien-là. Ça va secouer beaucoup de chrétiens là. Je vous dis la vérité. Donc Jonas dans la barque était dans le péché. Donc il s'est passé quoi? La barque secouait. Pourquoi? Il n'y avait pas la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, mes amis, là, ça va. C'est terrible. Hein? Quand tu n'as pas la crainte du Seigneur, là, il va te poursuivre, mon ami, partout. Et tu mettras en péril la vie de beaucoup. Pourquoi? Parce que le Seigneur a sa main contre toi. Pas avec toi, mais contre toi, mon ami. Quand tu n'as joué avec le péché, quand tu n'as joué avec la fellation, la pornographie, l'inceste, continue. Quand tu n'as joué dans le péché, quand tu n'as volé, quand tu n'as triché, à magouiller, à faire des fausses déclarations, continue. Quand tu vas te masturber, quand tu vas mater les fesses des femmes, les hommes, continue mon ami, tu vas voir le jugement du Seigneur. Tu es en train de détruire la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Tu deviens un malheur pour eux. Donc Jonas dans la barque. Jonas était dans la barque. La barque secouait, pourquoi? Parce que Jonas était dans le mal. Jonas n'obéissait pas au Seigneur. Le Seigneur l'envoyait quelque part à Ninive crier, oh non, je ne veux pas y aller. Voilà pourquoi toi qui es le Seigneur a donné une œuvre là. Il t'a dit clairement de commencer une œuvre.
Tu as refusé. Pourquoi? Parce que l'homme t'a dit non, faut pas faire. L'homme t'a dit va pas. Comme moi, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au plateau télé que je voulais faire, par rapport à l'émission que je voulais faire, la mission, tout ça que je voulais faire, que le Seigneur m'a donné. L'homme s'est opposé. L'homme s'est opposé. Eh bien, je suis resté fixé sur le Seigneur. Mon ami, je suis resté fixé sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que je tremble devant lui. Jonas ne tremblait pas devant le Seigneur. Il a voulu avorter l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Désobéissance. La barque secouée. Et dans la mer, là, il y avait des requins, des baleines, tout ça, mon ami. Et les pêcheurs, là, ceux qui étaient sur le bateau, ben, ils avaient peur. Donc, à cause d'une seule personne, tout le bateau est en danger, mon ami. Il fallait faire quoi? Il fallait couper cela. Il fallait se séparer. Donc, il fallait le jeter à la mer. Donc, il faut jeter à la mer tous ceux qui sont une occasion de chute pour toi. Jette-les à la mer. En gros, sépare-toi-deux. Va pas le tuer, il faut bien comprendre le message, sinon on va prendre quelqu'un et le mettre dans la mer. Après on va dire le frère a dit, faut prendre quelqu'un et le mettre dans la mer. Non. En gros là on parle de la séparation. Sépare-toi. Parce que toute ta vie risque d'être en danger. Ta maison, tes enfants, tes projets, l'œuvre que le Seigneur t'a donnée, tout risque d'attraper la lèpre, tout risque d'être pollué, mon ami. À cause du péché. On ne joue pas avec le péché. Il faut la crainte du Seigneur, il faut la crainte d'Elohim, la crainte du Dieu d'Israël, la crainte d'Elohim, la crainte de Yeshua, cette crainte-là, cette crainte sainte, mes amis. Alléluia. Ah oui, cette crainte de Yeshua. Voilà pourquoi quand tu as la crainte de Yeshua, quand nous aurons cette crainte de Yeshua, eh bien la main de Yeshua sera avec nous. Partout où tu passeras, il y aura sa main, mon ami. Pourquoi? Parce que tu marches dans la droiture, parce que tu marches dans l'intégrité, parce que tu marches dans la vérité. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Tu vois? Et aujourd'hui, il y a un péché qui fait mal, qui frappe chez beaucoup de chrétiens là. C'est la déformation des propos. Tu dis A à un chrétien, délibérément, le chrétien va répéter B. Mes amis, délibérément. Voilà pourquoi le Seigneur va juger. Le Seigneur va juger. Pourquoi? Le péché est là. Le péché est entré dans beaucoup de cœurs de beaucoup de chrétiens. Le mal. Il n'y a plus la crainte. On ne tremble plus devant la vérité, devant la parole d'Elohim. Cette parole puissante, cette parole qui est comme une épée, cette parole qui sépare, mes amis, les frères et sœurs, moi les jointures. Cette parole puissante disparue de beaucoup de cœurs. Disparu de beaucoup de vies. Mes amis, la crainte du Seigneur, la vérité. Tu te réveilles en retard le matin pour le travailler, tu dis clairement la vérité à ton patron ou à ta patronne. Patron, j'ai raté le train. Patron, je me suis réveillé en retard. Patron, j'ai eu un problème sur la route. Enfin, même pas un problème sur la route, tu dis clairement la vérité. Toute la vérité. Bon, tu vas avoir ce problème sur la route, on arrive au travail, pas de problème. Mais va pas dire, oh, tu sais, patron, il y avait une bombe dans le train. Oh, patron, sur la route, il y avait un camion qui s'est écrasé et ça a bouché la route pendant 2 heures, 3 heures, ça m'a mis en retard. Menteur que tu es. Le Seigneur a noté ton mensonge. Si tu meurs comme ça, tu iras en enfer, mon ami. Et tu vas brûler par rapport à ton péché. Pourquoi? Ben, parce que tu as menti. Et beaucoup sont dans le mensonge, les magouilles, la compromission. Et le Seigneur ne marche pas avec les pécheurs. Les prières des pécheurs est une abomination devant son trône. Une abomination. Abomination devant son trône. Beaucoup prient le Seigneur. Alléluia. Vous priez qui, mes amis, là? Qui est-ce que tu pries? Tu sais que quelqu'un est dans le péché. Il vit dans le péché. Tu pries avec lui. Et vous allez dire qu'il y a la gloire. Quelle gloire est ça? C'est quelle gloire est ça? Hein? C'est quelle gloire diabolique est ça, mes amis? C'est la gloire diabolique, oui. C'est pas la gloire du Seigneur. Voyez? C'est la gloire de ce monde. Une gloire de ténèbres. C'est pas la gloire sainte du Seigneur, mes amis. Parce qu'il y a gloire et gloire, hein? Aujourd'hui, les gens vont dire, oh, les riches sont dans la gloire, tout ça. C'est quelle gloire? C'est une gloire diabolique, ça, mes amis. Une gloire qui vient de l'enfer. On va dire la vérité, hein. On va parler selon la vérité. Que tu m'aimes ou pas, eh ben, c'est pas grave. Yeshua même.
que tu m'apprécies ou pas, en fait, c'est pas mon problème. Yeshua m'aime plus que toi. Yeshua est mort sur la croix pour moi. Qui est mort sur la croix? C'est toi ou c'est toi Yeshua? Qui est mort sur la croix pour moi? Yeshua ou toi? Eh bien, comme c'est Yeshua, eh ben c'est pas grave si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Yeshua m'aime plus que toi. Voilà pourquoi, eh ben, je parlerai de mon Yeshua qui me préserve de tout malheur, qui me préserve de toute embûche. C'est Yeshua qui me donne la vie. Voilà pourquoi je vais l'adorer lui seul. Ah oui, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas. Eh bien, ça va jusqu'à quoi? Ça va jusqu'à ne pas entrer dans la vie privée des gens. C'est ça la crainte du Seigneur. Il y a des gens, ils n'ont pas la crainte. Ils vont rentrer dans la vie des gens, poser des questions intimes aux gens, alors que c'est la vie des gens. Mes amis, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je parle de ça. Hein? Tu vas rentrer dans la vie intime des gens. Oh, est-ce que ta femme est vierge? Est-ce que ta femme... Oh là là, j'ouvre une parenthèse. Mes amis, c'est chaud. Que quelqu'un écrit sur le chat là. Que quelqu'un écrit sur le chat si ça se lui est arrivé ça. On va dire la vérité. On va parler de toute la vérité ici. Donc, quelqu'un est marié. Quelqu'un est marié. Hein? Donc, il y a un frère ou une sœur. Ils viennent et ils vont faire quoi? Ils vont te poser des questions sur ton intimité avec ta femme. Est-ce qu'elle était vierge? Mais en quoi ça te regarde si elle était vierge, sa femme? Hein? En quoi ça la regarde? Et toi, mon frère, tu n'es pas obligé d'aller crier partout sur les toits. Oh, ma femme est vierge. Oh, ma femme était vierge. Oh, mon mari était, voilà, puceau, vierge comme tu veux, je sais pas quoi. Oh, patati patata. Mon ami, en quoi ça regarde les gens, ça, mon ami? Hein? Cela regarde ton intimité. La crainte du Seigneur, c'est pas dire toutes les choses de ta vie privée aux gens. Ta vie privée, là, tu peux la garder secrète. Il y a des choses de ta vie privée que ça te regarde toi et ta femme. C'est ton couple, tu vois. Mais on va te dire aujourd'hui, non, oh, il n'a pas la crainte du Seigneur, lui. Hein. Je lui pose des questions sur son couple, il ne répond pas. Mon ami, tu as le droit de ne pas répondre. C'est ta vie privée. Il faut bien comprendre le message. Ah, c'est terrible. Hein? Donc, toi qui m'entends, va pas me demander, viens pas me poser ces questions. C'est entre moi et ma femme, mon ami. Qui est vierge, qui je sais pas quoi. Ça regarde moi et ma femme. Et quand quelqu'un, il peut être n'importe qui, et surtout dans les églises, là, ce qui se passe, c'est que les pasteurs se permettent tout. Voilà pourquoi quand on est au devant là, on ne peut pas tout se permettre. Et dans les églises, les pasteurs, beaucoup de pasteurs, enfin pas les, hein, beaucoup pour ne pas dire tous, parce qu'on va dire, oh, ils connaissent tout le monde. Certains pasteurs se permettent tout. Ils se permettent sous prétexte qu'ils sont le pasteur de l'église, l'autorité. Eh bien, ils peuvent se permettre d'aller poser des questions intimes au couple, se permettre de rentrer dans les familles des gens, se permettre tout, mon ami, pas venir chez toi sans t'appeler, sans te prévenir. Il frappe à ta porte, tu n'étais même pas au courant. Et comme c'est le pasteur, eh bien, il faut qu'il rentre manger avec toi. Mais tu as vu ça dans la Bible, ça? Où tu as vu ça dans la Bible? Hein? Hein? Où on a vu Yeshua dans la Bible aller rentrer chez les gens comme ça? Oh, je suis le maître. Laissez-moi rentrer manger. Laisse-moi. Non. Où t'as vu cela dans la Bible? On n'a pas vu ça dans la Bible. On n'a pas vu dans la Bible Yeshua faire cela. Yeshua n'a pas agi ainsi. Donc, l'élévation qu'on peut avoir, les positions qu'on peut avoir, en fait, la crainte du Seigneur, eh ben, ne va pas à l'encontre de. Du respect, ben, de la. Comment dire ça? Plutôt notre position, plutôt. La position qu'on a dans le Seigneur ne va pas à ce qu'on peut. Tout nous soit permis. Mais non! Tout n'est pas permis, mes amis. L'autorité. Voilà, que ça tourne. Partagez ça à vos églises. Ah oui. Ah oui, fais attention. Fais attention, mon frère, ma soeur. Ah oui. Tout n'est pas permis en tant que. Prédicateur, ou en tant que prophétesse, ou en tant que je sais pas quoi, soi-disant tu es l'autorité, mon ami. Tu dois être l'esclave de tous, c'est écrit. Que le plus grand soit l'esclave de tous, mes amis. C'est ça que la parole nous dit. Alléluia. C'est ça la crainte du Seigneur. Être esclave de tous. Tu vois? Donc, quelqu'un qui te pose des questions. Est-ce que ton mari, nanana, est-ce qu'il était vierge avant de le mariage? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que patati? Mon ami, c'est ta vie privée. Tu vois? Et même si tu crains le Seigneur, ben, ça ne veut pas dire que tu es obligé de répondre. C'est ta vie privée, voilà. C'est ta vie privée. Et je veux dire que l'autorité que le Seigneur nous donne,
à ses enfants plutôt, pour ne pas dire voilà de titre, aux chrétiens, eh ben la grâce, l'autorité que nous avons s'arrête au niveau de l'assemblée. Bah oui, les gens dans leur maison font leur vie. On peut pas aller vérifier les gens chez eux à quelle heure ils se couchent ensemble avec le mari, à quelle heure ils vont se doucher, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure il est parti travailler, à quelle heure patati, à quelle heure patata. Mon ami, ça là, ça s'appelle être dans une secte, ça. C'est de devenir, gourou. Et beaucoup de chrétiens sont gourounisés. Beaucoup de chrétiens sont gourounisés. Pourquoi? Eh bien, ils ne lisent pas la Bible. Ils se font dépouiller. Ils se font détruire. Ils se font détruire par qui? Ben par ceux qui se disent être autorité, mes amis. C'est très dangereux, ça. Très, très dangereux. On va prendre un roi. 1 Roi 13:11. Alors, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là, à Bethel. Et les paroles qu'il avait dites au roi, ils les racontèrent à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim, qui était venu de Yehuda, s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Il s'en alla sous un chêne. Il lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Et il lui répondit, c'est moi. Ah oui. Il dit, c'est moi. Verset 15. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison. Le prophète lui dit, viens avec moi. Ça, c'était l'autorité. L'autorité, c'était le prophète. Allez, le vieux prophète. Voilà, ça peut représenter toutes sortes de choses, toutes sortes d'individus. Faux chrétiens, vrais chrétiens, vrais pasteurs, faux pasteurs. Ça peut représenter tout cela, mes amis. Il lui dit quoi? Viens avec moi. Viens dans ma maison et tu prendras de quoi te nourrir. Tu vois? Mais elle répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu vois? Donc Yahweh lui avait donné un ordre. Tu vois, l'ordre de ne pas aller manger, boire chez quiconque. Même chez celui qui est plus grand que toi dans la foi. Même chez ton pasteur. Ah oui, va dire ça aujourd'hui à ton pasteur. Il te dit, viens, fais ci, fais ça. Va là-bas, fais ci, fais ça. Si tu as le malheur de dire, non, tu veux faire autre chose. Sans forcément... voilà, tu lui dis simplement, t'as pas à cœur. Enfin, t'as pas à cœur. C'est que, voilà, tu préfères pas en fait. Voilà, tu préfères pas. Tu vois. Ou même si t'as pas à cœur, ça peut être n'importe quoi en fait. T'as pas à cœur de faire quelque chose, eh ben, c'est pas parce qu'on t'a dit de le faire qu'il faut le faire. Ben, si t'as pas à cœur, ben, t'as pas à cœur, mon ami. Tu vois? Même si c'est un prophète, un ancien, tout qui que tu veux, si t'as pas à cœur, c'est toi qui as pas à cœur, mon ami. Tu vois? Et là, on parle pas là par rapport à une vie de tous les jours, par exemple. Hein. Parce que lorsque t'es dans une vision, une assemblée, une œuvre quelconque, ben, c'est vrai qu'il y a, quand même des restrictions, il y a quand même des choses à respecter. Tu vois? S'il y a une mission, une œuvre quelconque et tout qui se fait et que tu travailles dans une œuvre et que tu ne viens pas, mon ami, là c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu travailles dans une avec une équipe, donc il y a aussi des comptes à rendre. Donc c'est pas genre tu fais ce que tu veux, faut bien comprendre. Là on parle de ce que le Seigneur te dit à toi de tous les jours de ta vie, tu vois. Et même si tu es dans une équipe ou une église locale, si t'as pas à cœur de venir pendant un mois, deux mois, et ben le Seigneur te dit de te mettre à part, eh ben, il te mettra à part, tu vois. Et tu ne dois pas être contrôlé. J'ouvre une parenthèse. Hein. Je bénis le Seigneur Yeshua pour mes frères et sœurs avec qui on fait ce travail. Voilà, on n'est pas mieux que vous, mes frères et sœurs. Nous sommes pas, on ne se prétend pas être mieux que vous. Nous sommes simplement des ouvriers qui étaient pêcheurs, des hommes et des femmes qui mettent de le maximum pour que le royaume des cieux puisse avancer. Pour que le royaume de notre Père Céleste avance. On n'est pas mieux que vous, mes frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur suscite des frères et sœurs, des groupes ici et là dans le monde entier, des frères et sœurs pour travailler ensemble pour le royaume, prier ensemble pour le royaume et œuvrer dans l'unité. Il faut l'unité, mes frères et sœurs. Alléluia. Car sans l'unité, il n'y aura pas la gloire du Seigneur. Il ne faut pas critiquer son frère. Non. J'ouvre une parenthèse aussi là, avant de continuer le passage. J'ouvre la parenthèse. Le Seigneur va nous encourager. Tu as des frères et sœurs avec qui tu travailles, tu vois. Il ne faut pas vouloir
comment dire, faut pas vouloir les contrôler. Faut pas vouloir critiquer tout ça, être jaloux. Faut pas passer par là. Pourquoi? Le Seigneur peut vous quitter. Voyez? Le Seigneur peut vous quitter. Pourquoi? Parce que là où il y a le désordre, là où il y a le péché, là où il n'y a pas l'unité, eh ben, l'Esprit du Seigneur ne peut pas être là. Oh non, 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 non. Le Seigneur ne peut pas être là. Et il y a un fléau aussi qui attaque parmi les chrétiens qui prouve qu'il n'y a plus la crainte du Seigneur chez beaucoup de chrétiens, c'est la jalousie. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui est à part pour faire une œuvre avec des frères et sœurs, laisse-moi te dire que tu seras ciblé de par la jalousie de beaucoup de personnes. Oh oui, pourquoi? Ben parce que l'homme aime être vu, l'homme aime être au devant, l'homme aime travailler, l'homme aime... c'est l'humain, c'est ainsi qu'il est. C'est pour cela que ça crée beaucoup de désordre, beaucoup de péchés chez beaucoup de chrétiens. Ah oui, mes amis, beaucoup de désordre. Voyez? Parce que la parole n'est plus au centre. C'est la chair qui est mise au centre. C'est la chair. Et quand la chair est au centre, c'est qu'il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte, la révérence devant la parole du Seigneur. Et quand il n'y a plus la révérence, quand il n'y a plus la crainte du Seigneur, lorsqu'on se détourne plus du mal, eh ben c'est que, ben, mes amis, ben c'est, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Voyez? Donc, verset 17. Un roi. Voyez, on va continuer la lecture par rapport à ce passage. 1 roi 13, 11. Verset 12. On prend le verset 12. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda s'en était allé. Voyez? Tu vois? Verset 13. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Tu vois? Scellez-moi un âne. Et lui serrèrent, ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Il monta dessus. Et il s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne. Et il lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Et lui répondit, c'est moi. Il lui répondit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Voyez, en gros, on peut voir par là quoi? On peut voir le vieux prophète qui essaie de ramener la compromission, qui essaie de prendre des informations, qui essaie d'approcher ce jeune prophète dans le but de quoi? De le détruire. Et ce vieux prophète, peut-être qu'il passe à côté de ce que le Seigneur lui a demandé de faire, eh bien, il est tombé dans la jalousie. Tu vois? Jalousie. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il veut le tuer. Tu vois? Et ce qui se passe tout à l'heure, comme j'ai dit, la jalousie qui attaque beaucoup de chrétiens envers les autres. Pourquoi? La jalousie, parce qu'on veut, on veut ce que l'autre a reçu, on veut cela, on veut ceci. Eh ben, mes amis, quand il y a ça là, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il n'y a plus la crainte du Seigneur, la crainte véritable. Ah oui. Il dit quoi? Viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mes amis, quelle nourriture? Quelle nourriture? Mes amis, là c'est terrible ce passage. Quelle nourriture? Là c'est la parole aussi. Hein. Quelle nourriture as-tu reçu dans telle ou telle église où tu es passé? Quelle nourriture? Aujourd'hui les gens ils prennent toutes sortes de nourriture aujourd'hui. La nourriture est périmée mais tu la prends. Elle est périmée mais tu la manges quand même. Mais tu vas mourir mon ami. Ah oui, parce qu'il peut y avoir une date de péremption. Il y a des messages qui ne sont pas bibliques. Il y a des messages qu'on te prêche qui sont pas bibliques. Elles sont dangereuses à la consommation, dangereuses à écouter, à accepter au niveau de son cœur. Des messages qui sont meurtrières. Donc nos oreilles là, on doit faire attention à ce qu'on reçoit mes amis. On doit faire attention à ce que tu entends. Ah oui. Je reviens dessus. Quand Yeshua m'a demandé de mettre en place le plateau télé, j'ai eu toutes sortes de paroles. Hein, toutes sortes de paroles. Il n'écoute pas. Il ceci. Des gens ont même reçu des songes. Oh, des songes. Oh, patati. Oh, ceci. Et j'ai compris une chose. Hein,
j'ai compris, hein, beaucoup de jalousie, mes amis. Ah oui, beaucoup de jalousie ont poussé beaucoup à agir de la sorte. Tu vois? Il n'écoute pas. C'est ce qu'on a dit sur moi. Il n'écoute pas. Il écoute. Même, j'ai écouté le Seigneur. Pourquoi? Mais j'écoute pas qui? Ah ben j'écoute pas l'homme. Tu vois? C'est l'homme que j'ai pas écouté, mais j'ai écouté qui? Yeshua de Nazareth. Eh oui. Et quand tu prends ce risque d'écouter Yeshua, mes amis, c'est là que tu commences à, c'est là que tu commences à vivre véritablement l'évangile. Parce que tu écoutes Yeshua plus que les hommes. C'est là que tu vas avoir des problèmes terribles. Hein? Tu auras des problèmes. Et ça, là, je vous dis la vérité, hein, j'ai connu ça. Et aujourd'hui, s'il fallait refaire ça, je le refais. Je ne regrette pas. Pas une seconde. Pourquoi? Eh bien, quand j'ai vu ce que le Seigneur a opéré, quand je vois, c'est pas fini, hein, parce que jusqu'à notre mort, là, on travaille à notre salut. On va de gloire en gloire. Donc, il y aura encore des choses que le Seigneur va nous demander de faire, qu'il faudra faire. Parce qu'il y a encore plus grand qui arrive derrière. Le Seigneur n'est pas un Elohim, un Tout-Puissant, qui nous fait nous ennuyer. C'est de gloire en gloire. Mes amis, tu vois, quelle nourriture tu reçois? Quel est cet homme-là? Quelle est cette femme-là en ce temps de la fin qui va donner la nourriture au temps convenable, dans ce temps que nous sommes? Quelle nourriture recevoir? Que doit-on prêcher? Eh bien, la repentance. Que doit-on prêcher? Le salut. Que doit-on prêcher? Se séparer du péché. Prêcher. Oh oui, on doit prêcher ça, mes amis. Se séparer du péché. Et c'est un message qui ira jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin, au retour du Seigneur. Il faut prêcher ce message. On ne doit pas te prêcher. Oh, viens à l'église le dimanche. Viens dans mon église. Viens dans mon église. Beaucoup vont évangéliser, je vous mets une parenthèse, pour ramener les gens dans leurs églises. Fausse nourriture. Mauvaise nourriture. Oh, ils parlent plus de leur pasteur qu'ils parlent de Yeshua lui-même. Oh, mon pasteur a fait ci. Oh, mon pasteur. Oh, mon pasteur. Beaucoup adorent leur pasteur plus que Yeshua, mes amis. L'idolâtrie. Oh, mon pasteur a dit. Oh, mon pasteur. Même pas la Bible, hein. Mais mon pasteur a dit. Oh, mon pasteur. Oh, mon pasteur. Tu parles que de ton pasteur, mon ami. Tu évangélises, mais tu parles de ton pasteur. Parle de Jésus, mon ami. Parle de Yeshua, parce que c'est Yeshua qui convainc du péché, de justice et de jugement. Et c'est pas ton pasteur, mon ami. A pas pasteur, en créole. A pas pasteur qui m'a dit la croix là-bas. A pas lui. C'est Jésus-Christ qui m'a dit quoi là-bas. C'est Yeshua qui est mort sur la croix pour nous. C'est pas le pasteur. C'est pas le prophète. C'est pas ton église. C'est Yeshua. Beaucoup, mes amis, prêchent leur pasteur. Prêchent plus leur pasteur, leur doctrine. Qu'ils prêchent l'évangile de vérité. L'évangile de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Quelle nourriture tu reçois? Vous voyez, la crainte du Seigneur, ça va loin. Quand il n'y a plus la crainte du Seigneur, tu prends toutes sortes de paroles. Tu vas partout. Tu acceptes toutes sortes de choses. La compromission. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur. Tu prends tout, mes amis, toutes sortes de messages. Ah oui, voilà pourquoi il faut une vision claire. La vision du royaume. La vision du ciel. La vision qui amène au ciel de Yeshua, de sa parole. Voilà la vision. C'est pas l'église, c'est pas ton église qui va te sauver. Hein. C'est pas ton église qui va te sauver, mon ami. C'est Yeshua de Nazareth. Ah oui, mes amis. Tu peux avoir tous les problèmes que tu veux, tous les attaques que tu veux, mais n'aie pas de problème avec Yeshua, mon ami. Sinon, tu es cuit. Tu vois? Il dit quoi? Au verset quoi? Au verset 15, il dit: viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Quelle nourriture on va te donner à boire, mon ami? Quelle nourriture? Hein? Quelle nourriture? Le péché? L'idolâtrie? Le mensonge? Hein? Quel message? Quelle nourriture vas-tu manger là-bas, ce prophète-là? Là, quelle nourriture il a mangé là-bas? Là, on va voir. Voyez? Mais il répondit: je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Mon ami, le prophète, il parle trop. Parfois, faut pas trop parler. Faut pas trop raconter ce que le Seigneur t'a dit. Faut pas trop parler, mon ami. Mais garde cela dans ton cœur. Ressens cela dans ton cœur. Garde dans ton cœur ce que Yeshua t'a communiqué, ce que Yeshua t'a dit. Pourquoi? Tu risques
que l'ennemi, te séduise. Il y a des choses, des fois, tu gardes pour toi. Tu vois? Faut pas trop parler. En fait, plus je prenais plus image parfois. Faut pas trop raconter tes affaires, raconter ce que le Seigneur te dit. C'est pas tout que faut raconter, comme ce prophète. Oh patati, oh Yeshua m'a dit, oh patati, oh patata. Mon ami, faut pas trop raconter des fois. Tu vois? Au verset 17. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Et lui dit, et moi aussi, je suis prophète comme toi. Tu voyez? Il dit qu'il est prophète comme lui. En gros, tais-toi et écoute ce que je te dis, moi. Je suis prophète comme toi, tu écoutes, c'est tout. Tu te tais, moi je suis prophète, d'accord? Comme toi en plus. Donc, il faut que tu me sois soumis, mes amis. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas tous les prophètes qu'il faut écouter sur les réseaux. C'est pas tous les prophètes qu'il faut aller manger chez eux. C'est pas tous les prophètes qu'il faut accepter toutes les paroles, tout ce qu'on peut te dire. Attention, mes amis. Parce que, et même si, il faut écouter d'abord le Seigneur. Tu vois, parce que l'homme peut te parler, même un homme qui craint le Seigneur peut te parler. Mais attention, c'est pas tout ce qu'il faut, c'est pas tout ce qu'il faut boire. Il faut aller devant le trône. Seigneur, on m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est pas l'orgueil ça, mes amis. Non. C'est pas l'orgueil, mes amis. Alléluia. Verset 18. Et il lui dit, dis-moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh. Attention, c'est pas tous les dieux m'a dit, hein, parce que beaucoup de chrétiens, oh Dieu m'a dit. Alors là, quand ton Dieu m'a dit, là, en gros, là, c'est pour te faire trembler, là. Là, Dieu a parlé. Donc là, le vieux prophète, là, commence à trembler. Il peut commencer à trembler. C'est pour cela que toutes les paroles que nous entendons, c'est pas toutes les paroles que tu entends qu'il faut commencer à se mettre en dépression, commencer à trembler, parce qu'on a dit, Dieu a dit. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens là, toujours Dieu m'a dit. Toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais quand tu regardes bien, c'est la chair qui a parlé. Quand tu grattes un peu, oh, tu te rends compte que c'est une parole qui a été dite. Et eh ben, cette parole, eh ben, elle est répétée. Alors que c'est purement charnel et rien de divin. Mes amis, voilà pourquoi il faut consulter le Seigneur sur tout ce que tu entendras, tout ce qu'on peut te dire. Mes amis, il en dépend de notre vie. Partagez ce message, hein. Partagez ce message aux frères et sœurs. Ça, c'est un message pour l'église du Seigneur. Pour les frères et sœurs, les enfants du Seigneur Yeshua. Mes amis, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on te dit. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Attention, le Dieu m'a dit, là, c'est compliqué. Oh, Dieu m'a dit, t'es ma femme. Oh, Dieu m'a dit, il ne faut pas que tu marches avec telle personne. Oh, Dieu m'a dit, patati sur telle personne. Est-ce que tu es parti vérifier avant d'écouter ce qu'on a dit sur toi? Sur la personne. On te dit un truc sur une personne. Est-ce que tu es parti prier pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'en est-il de cette personne, Seigneur? Qu'en est-il? Il se passe quoi? Eh bien, beaucoup acceptent cette nourriture. Une nourriture qui ne vient pas du Seigneur. Faut faire attention. Même moi qui te dis un truc, faut vérifier aussi. Prier, voir. Est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé? Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit ou c'est la chair? Parce qu'on est charnel, on peut se tromper. On se trompe. Bah oui. Tu vois? Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Mais il lui mentait. C'est comme si quand le Seigneur m'a demandé de faire la mission qu'on a faite, je lui dis, ah ben Seigneur, j'y vais plus parce que l'homme a parlé, Seigneur. Les anciens ont dit, faut pas aller, Seigneur, ben j'y vais pas. Mes amis, tu passeras à côté de quoi? Ben toutes les âmes que le Seigneur voulait libérer à travers l'œuvre, à travers la mission, à travers la parole qu'il t'a donné, à travers la vision, l'objectif qu'il t'a donné. Il avait une œuvre. Mais t'as fait quoi? Tu as tout enterré. Pourquoi? Parce que l'homme a parlé. L'homme a dit. Mon ami, tu crains qui? Qui tu crains? Qui t'a sauvé, mon ami? Qui est mort sur la croix pour toi? Ah oui. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, même si quelqu'un a pu prier pour ta délivrance, ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pour ta délivrance que tu dois devenir son esclave. Devenir son esclave. Tu vois, esclave à tout faire. On te dit A tu fais, B tu fais, C tu fais, D tu fais, E tu fais. On te dit saute là-bas, tu sautes. Marche là-bas, tu fais. Ah, mon ami, attention, c'est pas ça être serviteur du Seigneur. Être obéissant au Seigneur, c'est pas ça, mes amis, hein.
un jour dans une église que j'ai fait il y a plusieurs années. Je suis parti dans cette église, il n'y a que des Martiniquais. Pourtant, je suis guadeloupéen. Hein. J'ai compris une chose, que c'est le Seigneur là. Oh, attention, le Seigneur n'est pas dans les sectes. Le Seigneur n'est pas sectaire. Il est venu pour tous les peuples. Quand j'ai vu que ce Martiniquais, ce pasteur, a mis le mouchoir sur le front d'une dame et a dit que ben, elle est obéissante parce qu'en fait, elle a gardé le mouchoir sur sa tête. Donc le pasteur a dit, ça c'est une femme obéissante. Mes amis, vous voyez comment on peut tromper les gens? Donc le pasteur te met un mouchoir sur le visage. On dit que tu es obéissant. C'est pas ça l'obéissance. On parle de l'obéissance par rapport à l'évangile, par rapport à Jésus, mes amis. Ah oui, et malheureusement, des chrétiens font le contraire. Ils obéissent plus aux hommes qu'ils obéissent à Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y en a même qui mangent de l'herbe. Des chrétiens qui mangent de l'herbe, des chrétiens qui donnent toute leur RSA au pasteur, tout leur argent, toute leur voiture. Ils sont des chauffeurs de pasteurs, nettoyeurs d'église. Ils font tout dans l'église. Tu vois, à croire que Jésus est mort sur la croix pour que tu deviennes balayeur. Hein? Porteur de Bible. Que Jésus est mort sur la croix pour que tu écoutes tout ce que le pasteur dit matin, midi, soir. Mais quand Yeshua te dit ah, là il y a un problème. Là il y a un problème. Yeshua te dit non, là il y a le péché. Marche pas avec ce frère, il y a le péché. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben tu sais, ben, il faut l'amour. Hein. Je veux vraiment être amour. Hein. Vraiment être amour parce que ben, il faut l'amour. Il faut l'amour, sinon ben, il faut l'amour. Quel amour est ça? Hein? Quel amour est ça? Un amour qui dit on ira tous au paradis. Eh bien, quand tu vas croire cet amour-là, mes amis. C'est pas cet amour-là. Hein. La Bible dit dans Jean 3,16 que Elohim a tant aimé le monde. Elohim, c'est Dieu. Pour ceux qui écoutent ce message, Elohim, c'est Dieu. Voilà le nom du Créateur. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu vois, on dit qu'il a tant aimé. Hein. Donc, quand il a aimé, là, il a donné sa vie. Pourquoi? Pour nous sauver du péché, mes amis. Pour nous sauver du péché. Donc, allez demander à Yeshua pourquoi il est mort sur la croix. Hein? Pour qu'on vive encore dans la compromission? Pour qu'on vive encore dans le mélange, dans le péché, le mensonge, hein? La haine? Voyez, il n'est pas mort sur la croix pour ça. Hein. Il est mort sur la croix pour nous arracher des ténèbres, mes amis. Oh oui. Verset 20. Et il arriva que comme il était assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh, ton Élohim, t'avait donné. Et que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et il arriva que quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Et celui-ci s'en alla, un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Vous voyez les conséquences? Le conséquence d'obéir aux hommes plus qu'au Seigneur, voyez, d'obéir à ton prophète plus qu'au Seigneur, tu vas mourir, mon ami. Tu vas mourir. Tu vas tomber dans le péché et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas au Seigneur. Tu n'es pas là où le Seigneur te veut. Tu vas mourir. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que je n'aurais pas mis en place le plateau télé comme le Seigneur m'avait dit. Que le Seigneur, je n'aurais pas quitté l'assemblée locale. Que le Seigneur m'a demandé de quitter l'assemblée locale. Voyez. J'aurais dit non, Seigneur, tu sais, ben, on est entre famille, on est entre frères et sœurs. Seigneur, ben, on mange bien ensemble, on prie bien ensemble, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas partir, Seigneur, je reste là. Seigneur, non, pas de plateau télé, Seigneur, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas faire, Seigneur. Oh, Seigneur, on m'a dit de ne pas faire de plateau télé, Seigneur. De ne pas faire, Seigneur, de ne pas faire. Pourquoi? Seigneur, ben non. Eh ben, où serais-je aujourd'hui? J'aurais été ami des hommes, ok? On m'aurait acclamé, tout ça. On veut. Oh, notre frère, nous t'aimons. J'aurais été acclamé. Ah. Mais quand serait-il avec le maître? Quand serait-il avec Yeshua? J'aurais des problèmes. J'aurais peut-être pu mourir, mais c'est pas peut-être. Je serais mort. Pourquoi? Je n'aurais pas été là où le Seigneur me demande d'être. Ah oui. Et beaucoup de personnes seraient mortes. Beaucoup d'âmes seraient mortes.
Il n'y aurait pas eu tous ces baptêmes. Il n'y aurait pas eu toutes ces guérisons, ces conversions, ces hommes et ces femmes que le Seigneur touche, libère, cette jeunesse que le Seigneur a franchie. Pourquoi? Parce que ben, on a dit, Seigneur, ok, on va annoncer ta parole, Seigneur. Au prix d'être lapidé, au prix d'être traité d'orgueilleux, d'être traité de « il n'écoute pas », traité de « patati patata ». J'ai dit, Seigneur, d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Quand j'ai failli mourir, c'est lui qui était là pour moi. Quand je me suis converti, c'est lui qui m'a parlé dans mon cœur, dans ma chambre. C'est lui qui m'a délivré du péché. C'est lui qui a restauré ma famille. C'est lui qui m'a donné ma femme, qui me soutient. Ma femme, que je ne trompe plus. Pourquoi? Grâce à Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, Seigneur, d'accord, Seigneur. J'ai arrêté le football que j'aimais pour toi, Seigneur. Ben, Seigneur, eh ben, je t'écouterai, Seigneur. C'est ça le Seigneur. C'est ce qu'il veut, le Seigneur, mes amis. Es-tu prêt à cela, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt à obéir au Seigneur? Es-tu prêt à dire oui au Seigneur? Hein? Ou es-tu prêt à dire, Seigneur, ben, tu sais, Seigneur, ben non, c'est compliqué parce que je te vois pas trop. Déjà, je te vois pas, Seigneur, ben l'homme, je le vois. Donc, je prends. Bon, je préfère obéir à l'homme, Seigneur. Parce que, ben, toi, je te vois pas. Tu vois? Seigneur, je te vois pas parce que, voilà, je tremble plus devant l'homme parce que toi, je te vois pas trop. Seigneur, je te. Incrédule. Beaucoup sont incrédules. Comme le peuple d'Israël qui est en Égypte, ils sont tombés dans l'incrédulité. Malgré les miracles, malgré les prodiges que le Seigneur a fait, ils sont tombés dans l'incrédulité. Peuple au cou raide. Combien de chrétiens ont le cou raide? Le cou raide. Ils manquent l'obéissance. Pourquoi? Ils ont peur de l'homme. Ils ont peur d'être rejetés des hommes. Yeshua leur dit, crie dehors. Oh non, tu sais, Seigneur, par contre là, Seigneur, demande-moi tout, mais pas ça. Tout, mais sauf ça, vous serez disqualifié. Et quand c'est la Coupe du Monde, vous criez dehors. Oh, la Coupe du Monde! Regarde si tu l'as fait. Tu as ouvert ta fenêtre. Tu as ouvert ta fenêtre. Et tu as crié. On est champion. On est champion. Tu as crié, crié, crié. Mais quand le Seigneur te dit, ouvre la fenêtre, crie mon nom. Ah, par contre, Seigneur, tu sais, on est en 2021. Il faut être sage. Il n'y a plus la crainte du Seigneur, mes amis. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte d'Elohim. Il n'y a plus la crainte du roi. Oh Seigneur, par contre là, c'est chaud. On va me lapider, Seigneur, tu sais. Je marche pas dans le courant normal. Là, si je fais ça, je vais à contre-courant, Seigneur. Oh Seigneur, non. Je ne peux pas, Seigneur, non. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans la compromission. Beaucoup se sont refroidis. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu veux pas? Ok. Ben, je réponds à ton frère qui est juste à côté de toi. Et quand ton frère que le Seigneur prend juste à côté de toi, il le prend pour faire encore plus que ce qu'il avait prévu de faire. Alors là, mon ami, celui qui a accepté de faire ce que le Seigneur lui a dit de faire là, ah, c'est chaud pour lui, hein, ou pour elle. Tu vas te faire tuer, hein, lapider, mon ami. Hein. Tu vas te faire détruire, lapider. Voilà pourquoi là, il faut la crainte du Seigneur. Et le Seigneur, quoi? Il sera ton bouclier. Ton bouclier. Tu vois? Il sera ton bouclier. Ton bouclier. Terrible. Et on le lit dans Proverbe 2. Hein. Proverbe 2, au verset 7. Il garde précieusement le succès durable pour ceux qui sont droits. Et il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc il sort ton bouclier, mon frère, ne crains pas. Je te dis la vérité, prends le risque d'obéir au Seigneur. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Je te dis la vérité, c'est le Seigneur qui ouvre et c'est lui qui ferme. Donc si tu lui obéis, il va ouvrir encore au centuple pour toi, au centuple. Tu seras béni de lui, mes amis, béni de lui. On revient sur 1 Roi 13 au verset 24. Tu vois? Au verset, tac, tac, tac. C'était quel verset là? Vous suivez? Quel verset? Au verset, tac, 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 voilà, 24. Et celui-ci s'en alla. Un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Vous voyez, il est mort. Pourquoi? Désobéissance. Jonas a failli mourir. Le Seigneur l'a attrapé, il l'a secoué,
il est passé par des choses terribles. Les conséquences de sa, les conséquences de sa désobéissance a été quoi? Être avalé par un poisson, mes amis. Ça, c'est terrible. Donc, il peut avoir des conséquences. Soit tu meurs, ou soit... On ne sait pas comment le Seigneur peut faire avec tout le monde. Hein. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller prendre exemple sur des gens. Oh, comme celui-là a fait comme ça, je vais faire comme lui. On ne doit pas marcher par rapport à l'exemple des autres. Bon, comme lui, il est tombé, il s'est relevé. Bon, je peux faire pareil. Comme lui, il a couché avec quelqu'un, je peux aussi faire pareil. Mon ami, non. On ne doit pas faire comme les gens. On ne doit pas prendre exemple par rapport à la vie de péché. Tout ça, est-ce que le Seigneur peut faire derrière avec l'autre personne? Parce qu'il fait ce qu'il veut, hein, le Seigneur. Hein. Ah oui, donc toi là, ta vie, c'est ta vie. Ton chemin, c'est ton chemin. Tu vois? Donc, veillons à craindre le Seigneur plus que les hommes. Mes amis, c'est important. Et craindre le Seigneur ne veut pas dire que tu respectes personne. Attention, je veux une parenthèse. C'est parce qu'en fait que tu crains plus le Seigneur que les hommes qu'il va falloir manquer de respect aux hommes. Non. En fait, tu vas respecter les gens. La crainte du Seigneur, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi respecter les gens. C'est pas tu crains, t'as la crainte du Seigneur, tu fais n'importe quoi. La crainte du Seigneur équivaut aussi à respecter aussi les frères et sœurs. Voyez? Se respecter les uns les autres. Tu vois? Et bien sûr, on peut recevoir des conseils ici et là de frères et sœurs. Bien sûr, c'est pas un péché. Parce qu'on est une famille. Il faut bien comprendre aussi cela. Pour ne pas prendre tout dans un sens fixe. Il faut bien comprendre le message de manière globale. Tu vois? Moi, personnellement, il y a des frères et sœurs qui me donnent des conseils. Parce que je n'ai pas je ne vois pas tout. Je suis un homme. Tu vois? Et le problème, c'est qu'on peut croire qu'on voit tout. C'est nous, on voit tout. On connaît tout. Si on commence à être comme ça, là, c'est compliqué. Moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup avoir des avis des uns des autres, des conseils des uns des autres, tu vois. Mais si, après, je vois qu'est-ce que le Seigneur dit aussi par la suite. Tu dis quoi? Et si le Seigneur, eh bien, il dit, il n'y a pas de problème par rapport à le conseil qu'on m'a donné, eh bien, c'est OK parce que le Seigneur aussi peut nous parler à travers aussi nos frères et ses sœurs. Vous voyez, il ne faut pas non plus oublier cela. Le Seigneur nous parle à nous. Il parle aussi aux frères et sœurs et il peut nous parler directement aussi, tu vois. Donc, ne pas mépriser les frères et sœurs. La crainte du Seigneur, c'est aussi respecter nos frères et sœurs, vous comprenez? Mais il faut craindre le Seigneur plus que les hommes, il faut bien comprendre. Alléluia. Waouh. Donc, le lion le tua. Verset 24. Son corps était étendu dans le chemin, l'âne resta auprès du corps et le lion aussi resta à côté du cadavre. Et voici des passants virent le corps, ils ne pouvaient rien faire pour lui. C'est-à-dire, en fait, quand tu es dans la désobéissance, quand tu es mort, mon ami, quand tu meurs, personne ne peut plus rien pour toi. Oh oui, mes amis, on ne peut plus rien pour toi. C'est le Seigneur seul qui pouvait quelque chose pour toi, tu vois. Et le fait qu'il ait désobéi au Seigneur, ce prophète, on a vu. Même le prophète, là, n'a rien pu faire pour lui. Les passants, là, n'ont rien fait pour lui. Mon ami, personne ne peut rien pour toi. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il faut le craindre par-dessus tout. Tu vois? Ils vinrent le dire dans la ville où le vieux prophète habitait. Et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme d'Élohim, l'ayant appris, dit: c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion. Tu vois, Yahweh l'a livré au lion. Parce qu'il a plus obéi aux hommes. Tu vois? Donc, quand la parole nous dit qu'il faut nous soumettre à sa parole, soumettez-vous au Seigneur, à Elohim, et le diable fera loin de vous. C'est important. Va pas te soumettre à un frère qui est dans le péché, mon ami. Sinon, ben là, le diable va rentrer chez toi. Tu vois? La compromission, c'est un danger terrible. Hein? Parce que la compromission a une ampleur terrible. C'est comme si ton frère, un frère que tu connais, ou une soeur que tu connais, comme tu veux, tu sais qu'il est dans le péché. Sa vie n'est pas droite devant le Seigneur. Tu vois? Mais toi, tu t'obstines à vouloir user d'amour. Amour, amour. Oh l'amour. Il faut l'amour. Quel amour est ça, mes amis? Quel amour est ça? Eh bien, le fait d'être dans cette position de sentiment avec ce frère ou cette soeur, eh bien, le Seigneur va être contre toi. Et si le Seigneur est contre toi, le diable sera avec toi. Ah oui. C'est comme si quelqu'un vole dans un magasin. Il ramène l'objet chez quelqu'un volé. La police maintenant débarque chez la personne. La personne qui est venue chez la personne savait que... C'est comme si moi, j'ouvre ma porte. Exemple, hein. J'ouvre ma porte de chez moi. Quelqu'un ramène un truc chez moi volé. Je sais que c'est volé. Donc, je sais que c'est volé. Hein. Il y avait un diamant de millions d'euros.
Je sais que le diamant est volé. Je le vois. Je dis, ben, je dis rien. Mon ami, je dis rien. Je suis complice. Et quand la police va arriver chez moi, là, ils vont m'arrêter, et moi et lui. Pourquoi? Parce que l'objet trouvé chez moi, là, eh ben, est chez moi. Donc, quand cet objet est chez moi, eh ben, pour eux, là, je suis complice. C'est-à-dire quoi? Quand le péché des uns des autres est accepté des uns des autres, et tu dis rien parce qu'il y a le péché, tu dis rien, tu couvres et tu dis rien, tu dénonces pas. Les démons là qui poursuivent ce garçon-là, là, qui sont rentrés dans sa vie là, parce que quand il y a péché, ça veut dire qu'il y a démons. Donc les démons qui sont rentrés là, vu que tu as accepté, les démons aussi vont te toucher, mon ami. Bah oui, ils vont t'atteindre. Bah oui, pourquoi? Tu as accepté la compromission, tu as accepté le péché. Dans ta maison, mon ami, tu vas prendre. Et tes enfants peuvent être touchés. Ta femme, ta vie. Mon ami, c'est terrible. C'est pour cela qu'il faut prendre position pour Jésus. Position pour la Bible. De peur de quoi? D'être attrapé par les démons, mes amis. Ce n'est pas des blagues, hein? Et toi, et les démons, et l'autre là, il va, les démons vont vous lier. Tu vois? Donc si le Seigneur est contre toi, les démons seront avec toi. Les démons vont souper à ta table. Ah, mon ami. Quand tu vas manger à table avec ta femme, tes enfants là, il y aura les démons autour. Quand tu vas dormir le soir là dans ton lit, les démons vont faire la fête dans ta maison. Ils vont sauter dans la maison, faire des piouis, des galipettes, des pirouettes, tout ça dans ta maison. Parce que ben, tu leur as donné accès. Parce que tu as accepté l'œuvre du péché dans ta maison. Tout ce qui était interdit, tu l'as accepté dans ta maison. Donc forcément, tu vas recevoir la malédiction aussi avec toi, mon ami. Continue à dire il faut l'amour. Continue mon ami. Tu vas prendre cher. Je te dis la vérité. Déjà il y a des combats. On est attaqué par les démons, attaqué par les sorciers. Encore tu m'as encore la compromission dans ta maison. Mon ami, tu vas mourir. Oh, comme il joue bien au piano, comme elle chante bien la sœur, eh ben, comme il a beaucoup d'argent, je ne vais pas le dénoncer, sinon ben, je manquerai de quelque chose. Tu vois, quand il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. Mes amis, voilà pourquoi le Seigneur, il quitte toutes ces personnes-là. Là où il n'y a pas sa gloire, là où on ne veut pas vivre sa gloire, là où on ne veut pas vivre sa parole, il va quitter. Parce que Yeshua lui-même, il n'est pas dans les sentiments. C'est comme si Judas est voleur. Son péché est couvert. Son péché est dévoilé. Et c'est comme si les apôtres disent, non, Judas, il se repent. Mais il sait que c'est une repentance fausse parce qu'il continue à voler. Exemple, avant de mourir, par exemple, il continue à voler. En plus, sa repentance était fausse parce qu'après, il s'est suicidé. C'était une fausse repentance. C'est comme si le frère en question est voleur. Il dit pardon, mais il continue à voler. Toi, tu vois qu'il vole, hein, et tu dis rien. Compromission. Tu vas prendre aussi, mon ami cher. Tu vas prendre aussi, mon ami, ta maison, ta femme, ton église locale, ton œuvre, tout ce que tu peux faire. Tout sera atteint. Pourquoi? Tu as fermé les yeux sur le péché de ton frère ou ta soeur. Donc, tu vas prendre, mon ami. Ce n'est pas des jeux. Hein? Et quand tu agis sur la parole, on va dire il est orgueilleux. On va dire il n'aime pas, il n'est pas amour. Mon ami, c'est la Bible qui nous sauve. Hein? Premièrement, c'est la Bible. Pas premièrement, secondement, troisièmement, c'est toujours la Bible qui nous sauve. De A à Z, c'est la Bible. Donc, on doit obéir à la Bible seule. Tu vois? Et refuser toutes les fausses doctrines. Refuser tout message qui sort de la parole. Tout ce qui n'est pas écrit, vomis-le, mon ami. Comme tout à l'heure, j'ai dit, si on te demande, ton pasteur, tout ça, ton prophète, tout ça, te demande des secrets, des choses par rapport à ton couple, tu vois? Tu vois, à quelle heure tu fais ci, à quelle heure tu fais ça, à quelle heure tu fais les courses, à quelle heure patati, est-ce qu'elle est vierge, et patati, et patata, et patata. Mon ami, prends tes jambes à ton cou là, je te dis la vérité. Hein? Parce que là, tu vas devenir une proie, un esclave de l'homme. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Pas de sentiment, hein? Pas de sentiment, c'est pour ça les cadeaux là, ça bouche les yeux. Ça, moi, je veux pas de cadeaux, moi. Comme un jour, il y a un frère, il voulait faire que des cadeaux. Que des cadeaux. Je dis, c'est bon. Oh, je veux donner ça. Oh, mais en Dieu, c'est bon. Quand quelqu'un veut te donner tellement de cadeaux, là, faut, mon ami, ça, c'est un autre secret. Faut faire attention.
Parce que c'est pour te contrôler, ça, mon ami. C'est pour te contrôler et t'acheter les cadeaux. Ça achète. Et quand c'est comme ça, tu perds la crainte du Seigneur. Pourquoi? Les sentiments. Oh, comme c'est mon frère, il m'a donné des cadeaux. Il a fait le péché, mais je ne vais pas le dénoncer. Mon ami, je vais jeter tes cadeaux et je vais te dénoncer, mon ami. Tes cadeaux là, va pas boucher mes yeux. Hein. Tes cadeaux, ça va boucher les yeux, moi, en créole. Tu vois? Ton cadeau va pas boucher mes yeux. Non. Je vous dis la vérité, frère et soeur. Si quelqu'un que tu connais te donne tellement de cadeaux là, c'est qu'il veut te faire compromettre là. Il veut t'acheter afin que tu fermes ta bouche quand tu verras son péché là. Ah, mais comme il m'a donné des cadeaux hier, il m'a donné 200 euros, 300 euros, il m'a donné des vêtements, des chaussures, tout ça, des lunettes, il m'a donné de la nourriture, tout ça, il m'a soutenu. Oh patati, oh patata, je vais pas trop le dénoncer. Mon ami, s'il continue là-dedans, t'es obligé de le dénoncer, t'es obligé. Et te séparer, t'es obligé. Ah oui, comme un jour, j'ai posé un acte par rapport à la vérité, pour la vérité. On m'a dit, oh tu sais, je t'ai beaucoup soutenu. Oh patati, les sentiments. On va t'attraper dans les sentiments. Ah oui. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Être chrétien ne veut pas dire accepter tout, mon ami. Être chrétien, c'est accepter la parole. C'est accepter la sainteté de l'évangile, la vérité. C'est ça être chrétien. C'est pas être mélangé. C'est pas être idolâtre. C'est pas être orgueilleux. C'est, mes amis, c'est vivre selon la parole. Et tu seras traité de TTS. Très, très, très spirituel. Vaut mieux être traité de très, très, très spirituel que être traité de très, très, très pécheur, mon ami. Traitez-moi. On peut nous traiter de tous les noms. Toi, frère, sœur, chrétien que nous sommes. On peut nous traiter de bizarre, de sec, tout ce que tu veux. C'est la Bible qu'on obéit. La Bible, c'est notre lumière. C'est la Bible qu'on suit. Et personne d'autre que la Bible. Voyez? Au verset 26. Et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme d'Élohim, l'ayant appris, dit: c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh a livré le lion qu'il a brisé et l'a fait mourir, selon la parole que Yahweh lui avait dite. Et il parla à ses fils en disant: scellez-moi un âne. Et lui scellèrent, et s'en alla et le trouva le corps de l'homme d'Élohim étendu dans le chemin. Tu voyais, l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni brisé l'âne. En gros, le lion, il a tué, mais il ne peut plus rien faire, c'est fini. Tu vois, c'est terrible ça, mes amis. Tu vois, ni brisé l'âne. Alors, verset 29. Alors le prophète leva le corps de l'homme d'Élohim, le plaça sur l'âne et le ramena. Et ce vieux prophète revint dans la ville pour le pleurer et l'enterrer. Il mit le corps de ce prophète dans le sépulcre et le pleura sur lui. Il pleura sur lui. Hélas, mon frère, hypocrite. C'est toi qui l'as tué. Ça y est, il y a des gens là. Oh là là. Il y a des gens là, ils vont te tuer. Hein. Ils vont te détruire. Ils vont vouloir te détruire. Ils vont vouloir te tuer. Tu vois. Si un malheur t'arrive, ils vont pleurer. Mais en vérité, ils vont dire bien fait. Il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens de malheur. Dans leur cœur, ils peuvent te souhaiter le mal. Mon ami, il y a beaucoup de méchanceté chez les chrétiens. Beaucoup de méchanceté. Je vous dis, hein. Quand quelqu'un te souhaite le mal, si toi, frère, sœur, tu souhaites le mal de quelqu'un, mon ami, écoute-moi, le diable est rentré. Le diable est rentré, c'est obligé. Parce qu'un enfant du Seigneur ne souhaite pas le mal pour son prochain. Non, 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 non. Même pour le pire des pécheurs, tu ne peux pas souhaiter son mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit quoi? Eh bien, il dit quoi? Eh bien, d'aimer ses ennemis. Ne pas désirer leur mal en vérité. Tu vois? Tu ne veux pas souhaiter que quelqu'un meure? Souhaiter le malheur de ton frère ou de ta soeur? C'est compliqué, mes amis. Oh non! Donc, on voit qu'il le pleura. Oh, mon frère! Après l'avoir enterré, il parla à ses fils en disant: quand je serai mort, enterrez-moi dans le sépulcre ou enterrez l'homme d'Élohim. Comment tu veux souhaiter être enterré à côté de quelqu'un qui a désobéi? Voyez? Le mélange, la compromission, tout ça. Ben voilà, l'idolâtrie, tout ça. Le mal. Voilà ce que beaucoup de chrétiens ont accepté dans leur cœur. L'immoralité. Tu vois? Déposez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira. La parole qu'il a créée de la part de Yahweh contre l'autel qui est à Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Mes amis, c'est terrible. Donc le prophète a détruit l'appel de ce prophète.
Mais le prophète aussi, le jeune prophète, il a manqué de sagesse. Il a manqué de... En fait, il a pas craint le Seigneur là. Il n'a pas eu la crainte du Seigneur. Il a perdu la crainte. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des paroles, tu peux perdre la crainte du Seigneur, mes amis. Écoutez bien ce message. À force d'entendre des paroles, paroles sur paroles, que des paroles bizarres, des critiques, des choses compliquées, les gros mots, les insultes. À un moment donné, là, mon ami, tu vas perdre la crainte du Seigneur. C'est pour ça, ces oreilles-là, il faut pas que tes oreilles s'ouvrent à n'importe quoi, mon ami. Dans ton travail, partout où tu es, il faut veiller à ce que la parole reste premièrement centrée dans ton cœur. Parce que si tu acceptes de marcher avec les pécheurs, tu acceptes leur péché, demain, là, quand tu vas mourir, là, ils pourront rien pour toi. Ils ne pourront rien pour toi, mon ami. Ce sera entre toi et le Seigneur, toi et le Créateur. Pour qui veux-tu prendre position? Réponds. Répondez sur le chat. Pour qui veux-tu prendre position? Hein? Mes amis, c'est terrible. Oh là là, crains le Seigneur. Crains le Seigneur, c'est quoi? Pas dire de gros mots. Crains le Seigneur, c'est quoi? Pas commettre l'adultère. C'est quoi crains le Seigneur? Pas de viol. C'est quoi crains le Seigneur? Pas de drague envers les frères et sœurs. C'est quoi crains le Seigneur? Pas de pensée impure. Refuser ces pensées impures, parce qu'ils peuvent venir, mais il faut les refuser. C'est quoi craindre le Seigneur? Eh bien, c'est pas se masturber. C'est quoi craindre le Seigneur? Pas pratiquer la fellation. C'est quoi craindre le Seigneur? C'est pas aller voler, aller mentir, aller déformer les propos des uns des autres. C'est quoi craindre le Seigneur? Eh bien, c'est dire la vérité, toute la vérité que tu connais, mon frère, ma soeur. C'est ça craindre le Seigneur. Parler, vivre dans la sainteté. Voyez? La sainteté. Voyez? C'est ça craindre le Seigneur. Voyez? On te dit A, dis A, va pas dire B. Ça, le problème chez beaucoup. C'est un fléau qui fait beaucoup de ravages chez les chrétiens, ça. C'est un fléau qui fait beaucoup de ravages chez les chrétiens. Beaucoup de ravages. Voyez? Tu dis A, ils vont répéter B. Il y a une affiche, on va faire défiler une affiche en même temps, vous allez voir. C'est une affiche qu'on a pu partager sur nos réseaux. Vous allez voir, ça va apparaître juste après là. Vous allez voir, ça va apparaître là. Vous voyez? C'est cette affiche là. Ça apparaît, vous voyez? Vous voyez? Tu dis A, même toi, tu peux dire 100% quelque chose. Mais même toi là, tu vas déformer même toi ce que tu veux dire. tu as une pensée claire dans ton esprit. Tu vois? Mais pour ne pas blesser, pour ne pas faire du mal, pour ne pas. Oh là là, tu sais, pour ne pas déranger trop. Tu vas déformer un petit peu la pensée que le Seigneur te donne pour donner. Tu la modifies. Pourquoi? De peur de ne pas être accepté, mon ami. Tu vas passer à côté. Donc, tu donnes 80% de la pensée que le Seigneur t'a donnée. Tu vois, tu donnes 80% à la personne au lieu de 100%. Tu vois? Au lieu de donner les 100% de la pensée du Seigneur, tu vas donner 80%. Mais mon ami, là, tu pêches. Mais là, tu pêches. Hein? On veut arranger les ongles. On veut arrondir les ongles. Tu sais, faut pas dire ça comme ça. Si on dit ça comme ça, ben c'est dangereux. De qui es-tu animé? De qui sommes-nous animés? Qui nous anime? Quel esprit nous anime? Quel esprit nous anime, homme, femme, frère et sœur? Quel esprit nous anime? Hein? L'erreur ou la vérité? La corruption ou la vérité? Tu reçois la pensée de 100% du Seigneur, clairement. Oh, tu vas la transformer à 80%. Après l'autre là, ben lui-même il va dire non, je peux pas dire ça comme ça. Là. Il va la déformer encore. L'autre là, il va raconter encore autre chose. Et que ça crée le désordre, mes amis. Et c'est ça que le Seigneur a horreur. Oh oui. Et je n'approuve pas cela aussi. Tu vois, je te dis A, répète A, va pas répéter B. Et c'est ce qui crée des zizanies, des problèmes, des tensions. Parce qu'on arrive à mal rapporter les dires des uns des autres. Et ça crée quoi? Ça crée des problèmes. Au lieu de travailler pour le royaume, on travaille l'un contre l'autre, mes amis. On est comme des sorciers, comme des petits sorciers. Attaquer les uns les autres.
Et le diable rigole. Aïe. Je les ai eu ceux-là. Le royaume va se ralentir un petit peu parce que j'ai réussi à les distraire. J'ai réussi à monter les uns contre les autres. Hein? Donc là, je veux bien pouvoir faire mes courses. Bien pouvoir détruire ces œuvres-là. Et c'est là que le Seigneur va demander des comptes à beaucoup là. C'est pour ça, hein? Je refuse les cancans, les patatis. Je reste fixé sur le travail que le Seigneur nous a confié. Ma maison, comment dire, craindre son nom, ma famille et faire son œuvre, mes amis. Tu vois, faire son travail, l'œuvre qu'il demande de faire. Tu vois, les cancans, les histoires, les dires, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Tant que tu aimes Yeshua, reste sur Yeshua. Ne faut pas te... Moi, je suis arrivé à ce stade-là. On peut dire, ah, il crie, oh, c'est quoi? Oh, il y a des chrétiens, ils sont même choqués que quelqu'un crie. Mon ami, c'est la Bible, ça. C'est la Bible. Mais comme beaucoup ne croient plus en la Bible, ils croient plus en l'humanité, en ce monde, ils sont déconnectés avec la Bible. Déconnectés. Déconnectés avec le ciel, le royaume. Allez demander à Jean-Baptiste, à son époque. Demandez-lui ce qu'il a fait. Demandez-lui est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Demandez-lui. Il va vous dire, allez, demandez au Seigneur de que le Seigneur vous donne son cœur. Que le Seigneur vous donne son cœur. Vous allez sentir la douleur qu'il a. Vous allez comprendre. Il va vous dire, vous allez comprendre la douleur. Vous allez comprendre pourquoi j'étais comme ça. Parce que je sentais le cœur du Seigneur. Mon ami, le cœur du Seigneur, c'est quoi? Demandez au Seigneur, c'est quoi son cœur par rapport au péché? C'est quoi son cœur par rapport au monde qui meurt? Demandez-lui, c'est quoi son cœur? Vous allez voir. Tu vas devenir. C'est terrible. Mes amis, c'est terrible. Hein? C'est une souffrance. Hein? C'est une souffrance. Pourquoi? Parce que ben, tu vois que tu es lapidé. C'est une souffrance. Mais comme c'est pour le Seigneur, ben, tu es obligé de passer par là. Tu vois? Quand bien même. En fait, c'est ça la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Que le Seigneur restaure sa crainte dans nos vies. Qu'il restaure sa crainte dans nos cœurs. Sa crainte. La crainte pure. La crainte véritable. Alléluia. Alléluia. Amen en tout cas. On va pas trop durer longtemps. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il permet dans nos vies. Voyez. Et un autre point que je vais soulever avant de finir. L'évangile est devenu comme tabou aujourd'hui. C'est devenu tabou. Faut pas en parler. L'évangile est devenu tabou chez beaucoup de chrétiens. L'évangile est devenu tabou. Faut pas crier trop fort. Faut pas. Quand tu dis faut pas crier, mon ami, t'es déjà refroidi. Tu es déjà refroidi, mon ami. Ah oui. Comme le fait un frère me dit qu'un jour, un frère lui disait, oui, faut pas faire comme si on est en train de massacrer l'évangile du Seigneur parce qu'on crie, tout ça, mon ami. Le frère m'a dit ça, j'ai dit, oh là 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 là, Seigneur. Voilà ce qui crée des scandales chez les chrétiens. Voilà ce qui crée des désordres chez les chrétiens. Mes amis, je vous dis la vérité. La crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est obéir à Jésus. Où est-ce que le Seigneur t'a positionné? Dans quoi? J'ouvre une parenthèse. Et je bénis les frères et sœurs de l'équipe EVDN. Hein. Je bénis les frères et sœurs de l'équipe EVDN. Parce qu'il s'est passé quoi? Des hommes sont venus les voir, leur disant, quittez là-bas. Allez là-bas, quittez tout ça. Mon ami, vous voyez le travail? Ça, c'est pas du ciel. Ça, c'est pas un travail de Yeshua. Hein. Ça, c'est un travail de diable. Ah oui. Oh, quittez là-bas. Oh, n'allez pas là-bas. Oh, quitte là. Le talent que tu as, il faut plus que ce talent soit utilisé pour telle vision, telle œuvre. Oh, quitte là-bas. Ne va pas là-bas. Fais ci, fais ça, mes amis. Les frères ont demandé au Seigneur, c'est comment tout ça? Les frères ont pris position. Ils ont pris position parce qu'ils ont compris que c'est pas normal, c'est pas biblique. Voilà, c'est ça la crainte du Seigneur. Craindre le Seigneur ou craindre les hommes? Et ils ont craint le Seigneur. Ils ont craint Yeshua. Voyez? Ils ont craint Yeshua. Voilà pourquoi toi qui travailles avec des frères et sœurs, toi qui travailles dans une œuvre quelconque, le Seigneur t'a parlé, obéis au Seigneur. Obéis au Seigneur. Même si les hommes ne sont pas d'accord, obéis au Seigneur. Alléluia. Et ce qui est beau, c'est on vit pour la liberté. C'est pour la liberté que Yeshua nous a franchi. C'est-à-dire quoi? Liberté par rapport à la vérité, par rapport à la parole, et non être esclave des hommes. On est libre en Yeshua. Libre en Yeshua. Et non esclave, mais libre en Yeshua. Et cette liberté n'est pas pour vivre dans le désordre, mais pour vivre dans le respect des uns des autres, pour vivre dans l'humilité, selon l'évangile, selon la parole de vie. Alléluia. Et beaucoup d'œuvres, de visions sont avortées. Pourquoi? Mais parce qu'il y a tout ça, la langue de l'homme. C'est terrible, mes amis. Terrible.
Heureusement que les frères et sœurs ont consulté le Seigneur Yeshua. Voyez, c'est terrible. Donc quand on prend pas position pour la Bible, il se passe quoi? Eh bien, c'est le chaos qui vient. C'est la sécheresse, c'est la mort. Oh là 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 là, Seigneur mon roi. Ah oui, hein. C'est pas ça là. Il faut craindre le Seigneur, hein, au prix de d'être rejeté. C'est ça là, c'est ça la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur. Voilà la parole, mes amis, frères et sœurs. Vive l'évangile, c'est pas des jeux, hein. C'est pas, tu vis l'évangile et tu vis pieusement, tout le monde t'accepte, t'es bien vu, patati, le monde t'aime, tes collègues t'aiment. Mon ami, la gloire du Seigneur repose sur ta vie, donc il va se passer quoi? T'auras des problèmes. Oh oui, t'auras des problèmes. Mes amis, voilà pourquoi il faut consulter le Seigneur sur tout le temps, sur tout plan. Consulter le Seigneur sur tout ce que tu vas entendre. Pourquoi? Il en dépend de ton éternité. Il en dépend de ta vie. Le prophète, il est mort, hein? Il a voulu faire plaisir au prophète là-bas, là. Aller manger chez lui. Il est mort. Il a reçu une nourriture qu'il a tuée. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, les frères et sœurs, on va passer une petite vidéo à la fin pour nous encourager. Le Seigneur est vivant. Il est véritable, fidèle. Donc voilà. À bientôt, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Alléluia. Essayez des baptêmes de conversion. Faites des baptêmes. Des gens qui veulent se repentir de leur péché, faites-le sur le chat. Vous nous envoyez un mail pour les baptêmes ou le dire sur le chat, comme vous voulez. Et que le Seigneur soit béni, soit glorifié encore. Soyons fortifiés, craignons son nom. Pas de la bouche, mais de cœur en vérité. Craignons-le avec notre cœur, pas avec les bouches, pas avec nos apparences, mais c'est le cœur, dans la vie de tous les jours, dans le secret. Se détourner du mal, comme on a pu le lire dans Job 28. Se détourner du péché, du mal, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne pêche pas pour ta soeur, pour ta mère. Si ta mère te dit va voler, va pas voler pour ta mère, mon ami. Sous prétexte qu'il faut lui obéir, c'est ta maman. Va pas voler pour ton papa, sous prétexte qu'il faut lui obéir. Va pas voler, mon ami. Tout ce qui est contre la parole, tout ce que la Bible ne dit pas de faire, tout ce que la Bible nous défend de faire, eh ben, faut pas le faire. Tu vois? Mais obéis au Seigneur. Alléluia. À bientôt, mes frères et sœurs. À bientôt.
de la France, Jésus est le sauveur. De Bordeaux est le sauveur. Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur de la France. Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur de la France. Jésus est le sauveur de la France. Jésus est le sauveur. De la France. Jésus. Amen. Est le sauveur de la France. Jésus 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 est le sauveur de la France. Yes! Jésus est le sauveur de la France. Jésus est le sauveur de la France. Jésus est le sauveur du monde. 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 Jésus, il donne la paix, il donne la joie. Jésus est le sauveur du monde. L'amour. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur.
Jésus est le sauveur du monde. 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 Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur du monde. 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 Jésus est le sauveur du monde.
le sauveur.